Bonjour à tous. Je ne sais pas si tout le monde est connecté. 61, on en a perdu un petit peu pendant notre semaine de guerre. J'espère que vous allez tous bien. Moi, je suis un petit peu à la bourre. Olivier va venir nous rejoindre. Alors, aujourd'hui, on va faire un briefing des briefings, c'est-à-dire que je vais inviter des gens dans le live, ceux qui ont réussi à aller sur le terrain. Ceux qui ont eu des succès, des échecs. On va analyser la semaine que vous avez passée. Et surtout, on va comparer avec ceux qui ont réussi à avoir des résultats concrètement. Et puis, voir qui c'est qui a pu faire sa data, qui c'est qui n'a pas pu faire. On a quelques annonces à faire. Olivier, oui, là, il n'est pas encore là. Il est sous la douche, il arrive. Voilà. Donc déjà, est-ce que globalement... Une personne ou deux personnes. Aujourd'hui, on va être un peu dans le vif du sujet quand même, du terrain, des argumentaires qui ont fonctionné. Sur le Discord, globalement, ça a plutôt bien fonctionné. Bon, on est un petit peu partout dans les questions-réponses. C'est peut-être ma faute aussi, j'en ai un peu mis trop mis partout. Donc on est un peu perdu, mais bon, l'idée c'est d'avoir un seul et même forum. Après, bon, voilà, tant qu'on retrouve un peu les sujets, c'est pas très grave. L'info du jour, c'est qu'on a été attaqué sur Discord. On a eu des pirates, enfin des pseudo-pirates. Donc on a contré ça avec Lily. Je ne sais pas si elle est là, Lily. On a contré ça avec Lily. Alors, à mon sens, les pirates viennent de l'intérieur parce qu'il fallait avoir le lien. Donc soit c'est quelqu'un qui est là, ceux que j'ai invité, ou c'est une personne qui a invité. Donc on fait attention à ça. Je refais une demande, hein, vraiment, je vous demande solennellement de ceux qui vont partir dans d'autres réseaux dans le mois qui arrive, voilà, essayez de voir si vous pouvez faire une autre session dans votre nouveau réseau. L'idée, si vous voulez, globalement, c'est voilà, c'est qu'on reste exclu Safety. Et que ce qu'on fait sur Discord, ça fait pas mal de bruit. Olivier me l'a confirmé, et ça fait donc forcément beaucoup de jaloux. Donc, ben, on est les seuls à le faire. Donc forcément... Ça crée de l'émulsion. Donc, quand vous avez un nouveau truc, et soit les personnes aujourd'hui essayent de vous casser, ensuite elles essayent de vous draguer, entre guillemets, ou après essayent de vous copier. Donc, voilà. Mais bon, ça, fallait s'y attendre. Mais en tout cas, nous, on a réglé le problème avec Lily. Donc, normalement, on ne peut plus intervenir. Du moins, ils ne peuvent plus rentrer. On a mis quelque chose de toute façon pour les personnes qui ferait du hacking pour retracer l'IP. Donc déjà, on va essayer de savoir qui c'est qui est venu nous polluer. Parce que moi, je suis bien gentil, mais il faut pas... Voilà. Donc voilà, mais l'idée, c'est de protéger aussi... Oui, la musique, tu peux la couper, Jessica. Il faut suffit que tu appuies sur les... sur les... sur les, la note de musique qui est en bas, tout en bas là. Parce qu'elle est sympa la musique, je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, on a l'impression d'être dans un ascenseur. Donc, un ascenseur pendant 2 heures, c'est un peu lourd. Voilà, donc ça, c'était pour la petite info du jour. Mais bon, moi, ça me plutôt, je trouve ça positif. Ça veut dire que globalement, ça veut dire que globalement, on fait du bruit, c'est bien. Et surtout, on est les seuls à se suivre comme ça. Donc là, on a perdu un peu de monde. On a perdu une quarantaine de. Ouais. 30 personnes qui sont mortes sur le champ de bataille, ou alors ils ont des rendez-vous. Hein. Donc voilà, on continue sur le même sens. Donc là, je voulais avoir des infos. On va rentrer rapidement dans le sujet. Moi, personnellement, si j'analyse ma data, je l'ai montré hier. J'ai fait une petite heure tous les jours. J'ai fait à peu près 4 heures. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. Des nouvelles idées aussi que j'ai données à Olivier et que lui m'a partagé aussi. J'ai pas le droit de teaser, on parlait tout à l'heure, mais vous verrez, je pense, dans les 24-48 heures, ils sont en train de préparer un truc encore là-dessus qui est assez fou. Mais j'ai pas le droit de le dire. Voilà. Donc, je le dis pas, mais moi j'aime bien teaser. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire de la data. Vous avez bien vu qu'avec la data d'hier, je sais pas ceux qui ont vu la vidéo ou qui n'ont pas vu la vidéo, clairement, c'est vraiment. Moi, j'ai eu des rendez-vous cette semaine, c'est des rendez-vous piges. Malheureusement, les rendez-vous piges sont très peu fiables. En règle générale, moi, j'ai eu ce cas, en tout cas cette semaine, ils annulent 48 heures ou 24 heures à l'avance.
T'arrives sur place, c'est très compliqué les rendez-vous pigés. Donc ça a d'autant plus aujourd'hui d'intérêt d'aller sur le terrain directement avec une autre porte d'entrée qui est la data qu'on fait. Voilà. Là aujourd'hui, si je me basais uniquement sur la pige que j'ai faite, je serais un petit peu en deuil parce que ça m'a fait trois infos, j'ai eu quatre rendez-vous, deux annulés, deux sur place compliqués. Les mecs essayent de vendre des châteaux, mais alors ils n'ont pas du tout un château. Donc heureusement qu'il y a d'autres portes d'entrée. Donc ça valide d'autant plus. L'idée vraiment de faire la data, c'est notre porte d'entrée et ça permet d'aller sur sur le marché, quoi, bien clairement. Voilà, en gros, donc je ne sais pas si je peux partager mon écran. Oui, je peux partager, je vais essayer de partager mon écran. Tac, voilà. Au live. Alors, vous cliquez sur la fenêtre qui vous intéresse, donc mon écran, pour voir tout ce qui se passe. Voilà, moi je vous présente juste ma data que j'ai effectuée. Globalement, alors attendez, je regarde en même temps, ouais, c'est bon. Globalement, la prospection, qu'est-ce que ça a donné? Alors, je vais effacer la légende. J'ai trouvé 52 points. Alors, je vous dis, j'ai fait une heure par jour, et surtout, ce qui est super important, c'est les points verts que j'ai trouvés. Les points verts, j'ai soumis l'idée, en fait, ce sont des DPE très très récents. Que j'ai estimé par rapport à DVF pour avoir un avis de valeur sur le quartier. Et l'idée, c'est que si la personne n'est pas est fermée pour prendre un mandat, par exemple sur cette parcelle, si vous avez un client en mandat de recherche, vous dire voilà, moi j'ai un client, ben, il a un budget, il correspond à votre budget, est-ce que ça peut faire réfléchir différemment? Parce que, en fait, globalement, si vous voulez, l'idée du mandat de recherche, pour être clair, c'est d'apporter une valeur ajoutée. Alors c'est vrai que c'est bien quand on peut avoir toutes les annonces et travailler pour travailler pour lui, mais quand vous faites un mandat de recherche, vous prenez 5% d'honoraires juste parce que vous avez lu les annonces, c'est bien et c'est pas bien, c'est pas vraiment une valeur ajoutée. La vraie valeur ajoutée d'une recherche, c'est la donnée invisible que lui ne peut pas avoir, c'est-à-dire il peut pas voir sur les annonces, ce qu'on appelle les ventes en off, quoi. Je veux dire la commercialisation en off, c'est-à-dire toutes ces personnes qui se posent des questions, qui sont sur le marché par votre prospection, que vous seul connaissez, qui ne sont pas sur les réseaux, et vous lui apportez cette valeur ajoutée. Et en règle générale, quand vous apportez à cette personne une info qui est exclusive et globalement qui n'est pas visible, ça les excite encore plus parce qu'ils ont cette sensation d'exclusivité et il valide le fait pourquoi il vous paye 5% de mandat de recherche, c'est-à-dire vous lui apportez des données que lui n'aurait pas pu avoir. Alors ça peut marcher avec le reste, hein, je ne dis pas le contraire, hein, mais c'est vrai que la vraie valeur ajoutée quand vous êtes en mandat de recherche, c'est ce que vous avez sur le terrain, ce que vous avez comme voilà, globalement, là on sait qu'il y a peut-être une maison potentiellement qui pourrait être vendue 248 000 euros. L'avantage, c'est qu'on a ici toutes les infos avec le DPE. Vous avez toutes les infos de la maison. Vous connaissez un peu l'historique, si historique qu'il y a. Et donc voilà, donc c'est quelque chose où même si je vais en prospection sur le terrain, le mec il dit ouais, je vais faire un DPE, mais pour l'instant, globalement, bah voilà, je suis pas sûr de vendre, blablabla. Et que vous avez, bah, écoutez, c'est dommage parce que moi, écoutez, j'ai un client qui est finançable. Qui est sûr d'avoir les finances et qui correspond au budget de votre secteur dans une période où le marché est baissier, est-ce que ça vous intéresse? Je pense que la personne n'est pas dans la même dynamique que de dire bah, écoutez, je viens chez vous pour essayer de prendre un mandat. Voilà. Donc, ça, c'est super important, je trouve. Donc là, voilà, je vous expliquerai, j'ai mis en vidéo, mais je leur ferai une petite démo, comment on fait. Bah, c'est pas dur, hein. Vous allez sur le DPE récent. Vous cliquez dessus. S'il n'est pas en annonce, ça veut dire qu'il n'est pas encore diffusé. Donc là, ils sont en train de travailler dessus aussi, Olivier, pour avoir la donnée, pour être sûr que c'est une vente. Mais bon, allez-y directement. Moi, j'ai un collègue qui a ouvert sa boîte de Diag. En général, c'est 7 sur 10, c'est des ventes, hein. Donc, dans le doute, vous y allez, hein, même si j'en ai 7, j'en ai 10, j'en ai 7 qui seront bons, sont bonnes. Donc voilà. Donc voilà pour la petite intro. On verra ceux qui n'ont pas réussi à faire leur data, voir comment on peut faire pour les aider, et puis ceux qui ont été sur le terrain suite à la data. Alors, est-ce que des personnes veulent venir ici sur le live et puis nous expliquer un peu ce qu'ils ont fait
éventuellement sur le terrain. Ne soyez pas timide, hein. C'est pas grave, personne ne va vous manger, il n'y a que 70 personnes qui vous regardent. Invité à parler, hop. Donc Muriel a dit ok, on attend Muriel. Si tu peux mettre ton micro, webcam ou juste micro, déjà c'est bien. Et puis nous expliquer un peu ce que tu as fait, si tu as réussi des choses ou tu n'as pas réussi des choses. Alors, il y a le petit. Il y a comment dire? Le petit salon, entre guillemets, résultat. Oh oui, c'est vrai que j'aurais pu le montrer, ça. Alors, attendez. Je vais essayer de le montrer quand même. Alors, on est là. On est là. Hop. Le petit salon résultat. Salut Muriel. Attends, je montre juste un truc, Muriel, et après, je reviens vers toi. Alors attends, comment je partage? Hop, voilà. Ça va faire des trucs de ouf. Voilà, on s'en fiche. C'est le petit truc résultat. Alors, c'est vrai que là aujourd'hui, vous cliquez une fois. Alors, ça, c'est pour les mandats. Ça, c'est les offres que vous avez eues. Alors, effectivement, on a eu pas mal de résultats tout de suite après le premier live, mais on a pris une règle de dire tout ce qui arrive dans la session compte pour la session. Pourquoi? Parce que bah, vous allez rentrer des mandats pendant la session qui seront vendus après la session. Donc finalement. Ça fera un juste équilibre. Donc voilà, c'est cette règle. Et puis et en règle générale, l'idée, c'est de dire qu'on les a pris aussi parce que l'outil cadastre, à plus ou moins grand niveau, nous a aidé à prendre des mandats ou faire des offres. Moi, j'ai eu une offre et un mandat. C'est à 100%, à 100% par rapport au cadastre. L'offre que j'ai eue, c'était un mandat que j'avais depuis un mois et demi, que j'ai renégocié justement avec Climomètre. Et la semaine suivante, ben, j'ai eu deux offres. Voilà. Et le mandat, pareil, hein, c'était. J'ai réussi à sortir une personne qui était en exclu depuis 6 mois. Et non seulement de la sortir de l'exclu, prendre le mandat, c'est une chose, mais surtout la prendre à un prix de 40 000 euros en dessous, quoi. Voilà. C'est ça qui est important. Donc voilà, ça c'était pour le petit résultat. Vous appuyez une fois, vous rajoutez une fois, bah, vous rajoutez, ça fait à deux et ça revient à un, mais c'est normal. Et donc là, aujourd'hui, on a eu 15 mandats et 6 offres d'achat. Bon, pour une première semaine, je trouve que c'est bien. Normalement, la semaine. D'après, on devrait avoir plus, moi j'espère, parce que normalement la data a été quand même plus faite que la semaine dernière. Donc à voir. Donc bonjour Muriel, il faudrait que tu mettes ton micro parce que on t'entend pas. Bonjour, tu m'entends? Ouais, nickel. Allô? Est-ce que tu m'entends? Oui. D'accord, ok. Bon, bah, bonjour à tous. Ben, moi, voilà, je vais vous partager un petit peu mon expérience. Effectivement, bah, moi, j'ai trouvé que c'était un outil super. Donc, j'ai commencé, comme tu dis, à faire ma data donc sur Moi Sartou, hein, dans le 06. Et. J'ai réussi donc à repérer, bon au début la manipulation est pas toujours évidente, mais je pense qu'avec la pratique et comme tu dis en ouvrant les différentes fenêtres et en testant, et ben c'est comme ça qu'on arrive à faire. Donc moi mon petit retour pour l'instant, ben c'est vrai que j'ai donc géolocalisé deux biens. J'ai pas voilà, je l'ai fait bon de manière assez régulière parce que déjà il m'a fallu utiliser l'outil correctement. Donc je pense que voilà, donc là je continue. Les biens que j'ai eus, donc j'en ai repéré deux. J'ai pas téléphoné comme tu dis, moi j'y suis allée directement parce que j'avais pas c'était des particuliers, il n'y avait pas les téléphones et j'ai réussi à les repérer, j'ai été sonnée et bon ils étaient pas présents mais je sais où ils sont et je sais que bon, il y en a un, il a mis même en fait, il a mis un panneau à vendre avec son numéro de téléphone sur le lotissement. Et du coup, j'ai pris son numéro de téléphone. Mais je vais quand même, je préfère y aller parce qu'au téléphone, les gens, ils te répondent pas, ils filtrent. Et quand tu vas toquer chez eux, c'est différent, quoi. Mais moi, pour l'instant, je pense que c'est un outil. Pour moi, ça fonctionne. Et même mieux que j'ai au ciblage enfin, le Omega où j'ai jamais réussi à trop géolocaliser les biens, tandis que là vraiment, j'arrive vraiment à faire du repérage et au niveau des adresses et tout, c'est hyper précis et bon, pour l'instant ça fonctionne. Donc ben, Ok. il y a plus qu'à encore Tu as repéré que à deux. ben... Tu as repéré que deux biens, Muriel. Alors c'est bien, hein, il faut un commencement à tout. Ouais. Tu as une commune de combien d'habitants? Moi, Sartou.
pas, il doit y avoir aucune idée. Il doit y avoir 15, 20 000, 15 000 habitants. Je sais qu'il y a 177 biens à vendre, ça j'ai vu. Et ouais, il doit y avoir 15 000 habitants, quoi. 15-20 000 C'est quoi ton habitants. code postal? C'est 06 370. Une belle région. Donc, si je regarde que les maisons, alors je suis où? Oui, ben, il y J'enlève a quasiment. 179. Alors, il y a des doublons. Hein. Bon, mais Ouais. globalement, si tu veux, tu dois pouvoir en repérer que deux. Donc, il faut que tu fasses comme une machine. Et en fait, si tu veux, quand tu fais du repérage, c'est voilà, je le dis un peu pour tout le monde aussi, il faut que tu débranches ton cerveau, en fait. Il ne faut pas que tu analyses trop l'annonce, tu dis je suis dans l'abattage. Donc là, on va voir, par exemple, si je prends que les faciles, tu en as une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Si je rajoute les moyennement faciles, t'en as au moins autant, si ce n'est, t'as au moins une cinquantaine d'annonces possibles. Donc là, l'idée, si tu veux, globalement, c'est quand même deux, c'est pas, enfin, c'est un début, hein, voilà, c'est Ouais, pas. c'est pas suffisant. Non, non, bien sûr que c'est pas Mais suffisant. il faut C'est que tu sûr arrives à faire une que. cartographie. Alors même moi, j'ai pas été un super élève parce que globalement, j'enlève les légendes, voilà. Globalement, je devrais avoir plus. Mais déjà, si tu veux, l'idée, c'est de pouvoir. Il y a, quand vous faites la data, il y a l'idée globalement d'aller sur place, hein, parce que regarde, tous les tags bleus, c'est des mandats simples. Donc c'est quelque part, avec l'adresse, je vais chez le client, il vend. Hein, donc ça, c'est facile. Les blancs, c'est des particuliers que j'ai découverts. Tu vois, les blancs, j'en ai pas découvert beaucoup. Alors ça dépend, tu t'es Ouais. axé que sur les particuliers? Non, j'ai fait les deux. J'ai fait les particuliers et les pros aussi. Enfin, du moins ceux qui étaient en mandat simple. Voilà, j'ai fait ceux qui étaient en mandat simple. Les exclus. Alors, ce que j'ai fait, j'ai regardé au niveau des exclus parce que ce qu'il y a de bien, c'est que ils te disisent la fin de l'exclusivité. Donc, tu sais, quand tu Alors, fais ta data, c'est ils. des stats. Hein. C'est en fait, ce sont des choses qui sont renouvelées tous les 3 mois. Ça veut dire que des fois, tu vois des trucs qui sont là depuis 6 mois. Mais en fait, ils font des trucs de 3 mois en 3 mois. C'est-à-dire, regarde bien quand D'accord. même l'origine du mandat. Parce que il se peut que ça fait déjà 4 mois qu'ils sont dessous, mais ils relancent de 3 mois. À la fin des 3 mois, ils relancent de D'accord. 3 mois parce qu'ils n'ont pas encore le moyen de savoir. Mais déjà, ça te permet d'avoir une idée. Hein. Donc, voilà. Mais non, il faut que faut que tu arrives. Et je te dis, c'est un peu comme la pige quand tu fais de la data comme ça. Tu poses ton cerveau sur le bureau et tu y vas. Tu fais là, la toiture est comme ça. Là, c'est du facile, quartier. Fais les trucs. Moi, ce que je vous conseille, c'est tu fais les rues, quartier, va pas plus loin. Et après, si tu veux encore enrichir, ce que j'ai fait un petit peu hier, tu prends mon marteau, tu dis hop, je fais à 2 km. Et là, d'un coup, tu vas en avoir 1 000, tu vois. Voilà. À 2 km autour de Montsartou, tu as 1 000, donc là tu retournes dedans, et là tu des quartiers, là en facile, tu en as 1 milliard, enfin, j'exagère, mais tu en as 1 tonne. Là, rien que faire des faciles à Montsartou autour, tu dois arriver à avoir au moins le double de ça. Et là, c'est vrai qu'il D'accord. faut, il faut comprendre, une fois que tu as ton acquéreur ici, un acquéreur, tu as fait visiter une maison parce que tu as un produit d'appel à 250 000 euros. Et tu dis, ben, je cherche des biens à 250 000 jusqu'à 350 000 max, par exemple. Merde. Non, ça va pas. 350 000 max. Voilà. Et ben, là, si tu veux, même si sur mon bien, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi il est revenu là? Là, je peux lui amener sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 avec le parquet, 9. Tout d'un coup, c'est comme si j'avais un portefeuille de 9 mandats. Parce que là, déjà. Là, 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 là. Sur 9, j'en ai 7. J'ai pas besoin d'autorisation de d'autres professionnels parce que là, c'est des mandats simples. Là, c'est des mandats de particuliers. Enfin, c'est pas des mandats, c'est des particuliers. Et là, c'est du DPE. Donc, avec un seul produit d'appel, je me retrouve avec un portefeuille de 9 mandats. Et puis même le mandat exclu, hein, j'ai envie de te dire. La personne, je lui dis, bah voilà, moi j'ai un client chez vous. Il est vraiment volontaire de visiter, vous êtes en exclusivité. Et là, c'est le moment de dire, est-ce que moi, je peux partager ma com? Est-ce que le client est d'accord ou pas? Et l'avantage que tu as, c'est quand tu cliques dessus, tu vois tout l'historique de l'annonce. Et tu sais que, par exemple, lui, il est en vente depuis novembre. Donc, globalement, si novembre déjà, donc déjà, il est en fin d'exclus.
Donc ça, tu le dis, tu le sais. Et si tu dis, bah, la personne, non, elle ne veut pas partager, du coup, là, globalement, elle vous bloque un client. Donc tu vois un peu la force en fait du truc, c'est-à-dire, et là je l'ai fait que 1 heure, j'ai fait que 4 heures dans la semaine. Hein. Moi j'ai été sur le terrain beaucoup sur la pige. Là cette semaine je vais aller sur le terrain avec le reste, avec ce que j'ai ici. Mais surtout moi la grosse idée c'est ça, c'est-à-dire qu'avec un seul produit d'appel ici, je peux proposer 9 mandats, voire plus si je vais les alentours. C'est ça la grosse force en fait de ce programme, c'est que tu peux, il y a le côté évidemment prospection. Et démarchage, oui, mais c'est surtout que quand tu as un client qui est finançable, qui vaut de l'or aujourd'hui, parce que c'est ça qui est dur aujourd'hui, d'avoir un. Ouais, c'est ce Imagine que j'ai dit. que tu as quelqu'un qui vient de vendre et qui a 250 000 euros de cash ou 210 000 euros, tu la mets de partout. Et ça, il l'a pas cette donnée-là en plus. Hein. Donc tu le prends en main et tu dis, bah là, tout de suite, on a les adresses, on peut aller sur place. T'as pas besoin d'appeler qui que ce soit. Là, c'est 4 mandats simples. C'est des mandats simples sur d'autres professionnels. Ben, je veux dire, mandat simple, par définition, tu peux y aller en mandat de recherche. Il n'y a aucun. D'accord. Il n'y a personne qui. Ben oui, un mandat simple, il est libre à tout le monde. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Tu vas juste en mandat de recherche, tu vas taper à la porte, tu dis voilà, moi, je suis professionnel, j'ai un client qui est finançable, j'ai un client qui a de la 250 000 euros cash, ou peu importe, qu'à les finances, qui serait très intéressé de visiter votre maison, t'inquiète pas qu'elle va t'ouvrir les portes. Hein. Et en plus, dans un deuxième temps, si ça se passe bien lors du rendez-vous, tu peux switcher sur un mandat. Et virer lui, par exemple, tu regardes ici, c'est que lui, il est en mandat de, je prends un exemple au hasard, depuis le 29 septembre, il est en mandat, il a commencé à faire l'escalier de 335, il est passé à 298. Donc déjà, je pense que lui, il commence à être un peu au bout du rouleau, il commence à douter de tout. Et là, tu peux lui dire, bah écoutez, voilà, est-ce qu'on peut se voir pour refaire un bilan? Et j'ai envie de te dire que là, globalement, c'est un mandat facile. Pourquoi? Parce que le professionnel qui est ici, bah, il a essuyé les plâtres pour toi, quoi. C'est-à-dire que globalement, il a testé à un prix qui ne fonctionne pas. Lui, Martellimo, par exemple, bah, il a testé à un prix qui ne fonctionne pas. Donc maintenant, c'est le dire, bah, vous avez déjà perdu ici, je ne sais plus combien, 35 000 euros. Le problème que vous avez aujourd'hui, c'est que vous êtes en train de perdre de l'argent. Pourquoi? Parce que vous êtes sur un marché baissier. Donc vous êtes parti à 335 ici, vous arrivez ici à 298. Donc vous, potentiellement, avez perdu 35 000 euros, mais je pense que vous perdez encore beaucoup plus. Parce que là, vous courez un prix. Là, c'est l'image d'une personne qui court après un prix, mais qui ne le rattrapera jamais. Vous voyez, moins 11%. Pourquoi? Parce que vous êtes trop en retard sur le bon prix. Donc là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se rencontre. Et puis qu'on fasse déjà un point, c'est sans engagement, qu'on fasse déjà un point sur votre situation. Parce que là, c'est depuis septembre, c'est pas normal que vous soyez toujours sur le marché. Et donc voilà, donc du coup, d'une visite, tu passes à un mandat. Et voilà, c'est pour ça que la data est super importante. C'est pas uniquement de Construis la tes prospection. arguments. Bah, Je tu construis as. tes arguments en fait pour pouvoir annoncer, enfin aborder le client. Tu arrives avec Bah, disons que plusieurs là, si tu cordes. veux. Tous les bleus et les rouges sont des professionnels qui sont déjà tous cassés les dents. C'est-à-dire qu'ont essayé des prix qui ne fonctionnent pas. Donc toi, pour reprendre un mandat en négociation de prix, c'est quand même bien plus facile qu'aujourd'hui un mec qui vient de mettre son annonce en pige, qui est encore dans l'illusion de pouvoir vendre comme il a envie, et d'être sollicité par 30 ou 40 professionnels, tu vois. Surtout vers chez toi, je pense qu'il doit y avoir du monde en professionnel. En général, le Oui, 06, ça. effectivement. Il y en a de partout. Donc Ouais, globalement, mais il y c'est en quand a même, qui il commencent à faut. fermer. Il y a beaucoup de pros qui commencent à. Il y en a pas mal qui commencent déjà à fermer là depuis début de l'année. Il y en a deux, trois qui sont Non, et puis bon, c'est qu'on pas, met la clé sous la porte. bon, c'est pas fini. Mais je veux dire, la vraie valeur ajoutée de cette data, c'est ça. C'est-à-dire, c'est de reproposer sur un mandat, bah, sur un mandat finalement, tu en as 9 dans la même catégorie dans ton portefeuille, multiplié par le reste, quoi. Donc c'est ça, et après démarcher une fois que tu as eu le contact avec le client, c'est ça la vraie valeur ajoutée. C'est alors oui, on peut aller sur place démarcher, hein. Moi je vous le conseille d'aller frapper aux portes, mais surtout vous avez toute la donnée, c'est ça qui est important. Si vous avez la donnée, vous maîtrisez votre commune. Et à force, ça va rentrer tout seul, il n'y a même pas besoin d'efforts, et ça rentre tout seul. Voilà. Bon ok Muriel. Bon bah écoute, Ok, super, bah, merci. continue Merci comme ça, mais beaucoup. par contre, j'essaierai de voir si on peut faire des sessions. Je sais que j'ai aidé 2-3 personnes
pour voir faire de la data parce que c'est important. Ce qu'on n'a pas réussi, on fera peut-être une session avec Olivier. Et D'accord. puis voilà. Ok, merci beaucoup Christophe. T'en prie, Marianne. Merci. Allez, bonne journée. Qui a Merci, bonne journée. été, qui encore a, veut venir voilà, partager son expérience et puis nous dire ou des personnes qui ont été sur le terrain, par exemple. Rudy, à toi. Tu Vous mets. m'entendez? Ouais, je t'entends. Salut Rudy. Vous m'entendez, ouais. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Bah, moi, ça s'est très bien passé la data. J'ai Ouais. trouvé 84 biens. Bon, je n'ai pas trouvé que pour Waouh. moi. Hein. J'ai travaillé pour mon équipe également. Super. Parce que 84 je sais biens. que voilà. Ouais. Pas que j'ai sur une commune, hein. J'ai travaillé sur quoi? Trois communes. D'accord. Donc tu as une équipe en fait, c'est Trois ça? communes de. Voilà, j'ai travaillé pour mon équipe. Le lendemain de la première session, je les ai rassemblés. Et bah, voilà, ils sont déjà sur cadastre, mais ils n'ont pas voulu. Bah, ils ont pas, c'est pas qu'ils n'ont pas voulu assister à la cadastre, mais ils sont un peu encore trop jeunes, donc ils ont hésité et ils l'ont pas fait. Donc moi derrière, j'ai repris l'affaire derrière barre derrière le lendemain et je leur ai expliqué qu'on pouvait trouver des mandats très facilement. Donc pour chacun, ils ont eu une vingtaine de biens, ils sont repartis avec une vingtaine d'adresses pour la semaine. Et là, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle. En fait, normalement, ça devrait aboutir pour une de mes filleules sur un mandat. Super. Donc, ça marche très bien. L'outil est très performant. Malgré que nous, à La Réunion, on n'a pas le DPE. C'est ce qui est dommage. On Ouais. n'est pas, on n'a pas le DPE, mais voilà. On en a assez avec l'outil pour trouver pas mal d'adresses. Surtout les mandats simples, ce qui permet, c'est ce que tu disais tout à l'heure. L'avantage, c'est qu'on a un historique sur les biens. Bien sûr. On a vraiment l'historique, donc on n'arrive pas comme ça. Quand on se présente, on peut leur dire, voilà, vous avez fait une belle baisse. Là, je prends l'exemple. Moi, j'ai rentré un mandat également sur un terrain qui était en vente depuis pas mal de temps. Elle avait fait une baisse de déjà de 10 000 euros. Donc, je lui ai expliqué qu'en fait, si elle continuait comme ça, ça allait encore baisser. Il fallait se mettre au bon prix. Et en fait, je l'ai fait avec l'immomètre. Dans le quartier, en fait. Je lui dis, vous voyez, regardez dans le quartier, avec le DVF, ce qui est en vente actuellement, ce qui était vendu. Vous êtes au-dessus du prix, donc vous ne pourrez pas le vendre. Vous ne pourrez pas le vendre. Donc elle a hésité. Elle m'a laissé poireauter, on va dire, une petite semaine, puisque j'avais commencé avant le 20, le 30. Hein. Et elle m'a rappelé, elle m'a dit, bah, écoutez, moi je veux vendre à tout prix, là, parce que je suis pris, hein, donc je descends comme vous voulez, au prix que vous voulez. Donc j'ai descendu de 10 000, de 15, 13 000 euros. Donc là, voilà, on est au prix, je suis très content. Donc après, maintenant, il faut le vendre, hein, mais c'est quand même assez simple de rentrer des mandats, en fait. Je trouve que c'est quand on arrive chez le client, on a déjà voilà, on a un historique. Bah c'est ça, Et Rudy, et ça puis aide. 89 Ça aide. biens, tu vas cartonner. Si tu manipules bien ta data, hein, surtout ce maintenant, il faut bien faire une chose. Déjà, 89, c'est énorme, super. Mais maintenant, le seul danger que tu as, c'est que tu te laisses inonder par la data. Il faut que tu sois pragmatique. C'est-à-dire que, déjà, un, il y a deux trucs. Pour le recrutement, c'est top. Moi, je vois, sans citer de réseau à trois lettres, ils sont à fond là-dessus. En recrutement, c'est leur ADN. Et en fait, pour recruter, c'est assez simple. Ils vendent au filleul. Il dit, je te donne, comme tu dis toi, je te donne un portefeuille déjà de 10-15 adresses où tu vas démarcher. C'est-à-dire que je suis le seul à te donner aujourd'hui de la data concrète de potentiels vendeurs que je vais te donner, que ils payent même jusqu'à l'abonnement de cadastre. Hein, c'est pas non plus, ça va pas loin, hein, 10 balles. Et en plus, ils leur donnent de la data. Ça veut dire qu'après, globalement, pour le recrutement, tu offres vraiment quelque chose supplémentaire. Alors nous, on offre des choses, hein, déjà, c'est safety, mais là, tu lui dis, voilà, tu rentres, tu as un super outil pour aller sur le terrain, et en plus, je te donne un portefeuille de 15, 15, 20 adresses potentielles d'acheteurs que tu vas, dès demain, prospecter. Donc ça, c'est vraiment que c'est appréciable, je veux dire, pour un jeune qui débute, c'est énorme, tu vois. Donc il y a Bien ça. sûr, ils ne démarrent pas comme ça sans rien. Franchement, moi, Exactement. ils ont tous les deux apprécié. Il y avait mon parrain qui était sur Métropole, qui est arrivé sur La Réunion, donc qui a un peu plus de mal parce que le marché réunionnais est un peu différent. Hein. Il est venu hier et voilà, il est reparti avec ses 20 contacts également. Et voilà, alors quand tu dis 89, moi, j'en ai pas 89 pour moi. En fait, comme tu dis, j'ai snipé, parce que j'appelle ça sniper. Hein. J'ai snipé pour tout le monde, pour mes filleuls. Je leur donne tous des biens. Je veux que, voilà, dans chaque quartier.
qu'on soit présent et qu'on voilà, qu'on manque des parts de marché et surtout du réseau à trois lettres, comme tu dis, puisque chez moi il est vachement implanté. Donc voilà, et surtout que généralement ils prennent des mandats qui ne sont pas forcément au prix. Et voilà, moi en plus de la. Alors pour repérer la bien, j'adore, mais ce que j'adore vraiment, c'est faire l'estimation devant le client. Et lui montrer en fait, parce que ça c'est vraiment une nouvelle approche Ouais. client, hein, pour moi c'est vraiment une nouvelle approche, hein. Parce qu'une Comment estimation tu avant, on fais part, alors moi je le fais en R2. concrètement, comment tu fais, parce que je pense que c'est la question de beaucoup de personnes. Une fois que tu as data, on va parler d'abord de prospection de terrain, donc c'est ce que tu fais. Comment tu fais pour aborder les gens une fois que tu as leur adresse? Moi, j'ai une façon de faire, mais c'est important, Alors c'est bien de montrer aux autres comment toi tu arrives à créer le dialogue. J'ai fait deux méthodes. Et la deuxième méthode marche mieux, malheureusement. J'aurais préféré que la première. La première, voilà, j'ai fait du bois. J'ai été les voir, hein, j'ai sonné, j'ai discuté. Voilà, tout simplement. Voilà, j'ai pas fait comme si que, voilà, je savais qu'elle était en vente dans un premier temps pour voir comment déjà ils réagissaient par rapport à ma présence, parce que généralement, on peut faire refouler. Donc, c'est déjà un premier contact de la personne, en fait. Pas forcément du bien. Je veux une belle maison. Voilà, j'essaie toujours de complimenter sur l'extérieur. D'abord, ce que je vois. Et D'accord. après, voilà, au bout de 2-3 minutes, je rentre dans le vif du sujet. Je dis, oui, ben voilà, je sais que votre maison est en vente. J'ai des collègues d'autres réseaux qui vendent votre maison. Ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est en vente. Et malheureusement, là, je ne comprends pas pourquoi, monsieur. Je comprends pas pourquoi, parce que franchement, voilà, j'ai une très jolie maison. Et là, généralement, quand on leur dit qu'ils ont une très jolie maison, on brise la glace et nous font rentrer dans la cour déjà. Ouais, c'est ça. Donc après, bah voilà, après je discute tranquillement et je leur explique que voilà. Alors expliquez-moi un petit peu pourquoi vous avez des problèmes, parce que là, je ne comprends pas vraiment. Il me dit, bah je sais pas. Alors je dis, après, moi, je pense savoir pourquoi, mais il faudrait me laisser que je puisse vous expliquer pourquoi, en fait, vous n'avez pas vendu votre maison, puisque ce que je vois déjà à l'extérieur, normalement, c'est une maison qui devrait être vendue. Et donc, on est rentré avec l'hymomètre, en fait, et comme j'avais déjà fait un travail en amont, comme je savais que j'avais travaillé sur certaines maisons, tu vois, j'avais regardé sur des VF le prix moyen, voilà, les prix moyens de vente, ce qui est encore sur le marché, ta concurrence dans le quartier, sur tout ça, combien il y a de biens. Et en fait, ce qui a matché sur ce. Alors, je n'ai pas encore le mandat, mais je pense l'avoir, puisqu'il m'a envoyé un petit SMS, donc ça ne devrait pas traîner. En fait, ce qui est bien avec l'hymomètre, c'est qu'il voit en réel, je l'ai fait devant lui, hein, que à son prix, il y avait 23 biens dans la même zone à 1 km moins cher. Là, tu lui Pour la montres la même surface. concurrence, tu lui révèles, en fait, tu le fais sortir Voilà. de son œuf, ou un particulier, quand il pense vendre, il pense qu'il est le seul au monde à vendre sa maison. Et là, tout d'un coup, Tout à fait. tu le mets dans la fosse, ou non, il n'est pas le seul, il y a du monde. Et Ouais. après tout. Et après, nous, l'avantage à La Réunion, c'est qu'il y a des maisons avec piscine et sans piscine. Donc lui, sa maison est très jolie, mais il n'y a pas de piscine. Et dans la zone, en fait, il y avait plein de maisons vendues au même prix, voire même un peu moins cher, avec une piscine. Donc je lui ai montré des photos. Et pour une fois, il y avait quand même sur les deux, trois annonces que j'avais à lui montrer, c'était des jolies photos. Donc je lui dis, écoutez, regardez, vous mettez à la place de l'acquéreur, monsieur, hein, vous voulez l'acheter. Vous venez de métropole, vous venez du nord, de Saint-Denis. Vous regardez, qu'est-ce que vous regardez? Les maisons, les photos. Regardez, vous là, à la place du client, vous prenez laquelle maison? La vôtre ou celle des concurrents? Ah, ben, c'est vrai que sur les photos, l'autre, elle est mieux, il y a plus d'arguments. Donc voilà, là, je vais être en train de me dire que votre maison n'est pas au prix. Donc maintenant, on va calculer le vrai prix. Parce que mon but à moi, monsieur, c'est pas de vous faire vendre votre maison à perte. C'est pas mon intérêt. Et après, moi, j'ai un argument. Alors, je ne sais pas si beaucoup le font. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très gourmand sur les honoraires. Et quand tu vas sniper comme ça, quand tu leur dis que voilà, toi, t'es pas quelqu'un de gourmand, voilà, c'est que s'il me fait confiance, moi, j'ai fixé un prix fixe. Tu vois, je me suis mis sur un type de maison à tel prix à 10 000, tu vois, et je reste sur mes 10 000. Que ce soit la maison à 400 000 ou à 500 000, je reste sur mes 10 000. Et ça, déjà, ils ont aimé, en fait. Le client me dit, ah, c'est pas beaucoup. Et tu vois, quand t'entends un client qui te dit c'est pas beaucoup, c'est déjà gagné. Alors après, C'est déjà gagné. il y a deux écoles là-dessus, hein, Rudy. Moi, je vends mes honoraires. Donc après, globalement, c'est vrai que tu as raison que quelque part, c'est important aussi les honoraires. Mais si lui voit que tu lui apportes une vraie valeur ajoutée, je peux te dire qu'il est prêt à payer 10, 12 ou 14 000 si tu arrêtes, tu as fait comprendre que lui, tu vas lui faire gagner plus d'argent que toi tu prends en honoraires.
Et un peu Non, mais l'idée. quand je te dis. Ouais. Je te dis, oui, tu as raison. Hein. Après, quand j'ai cherché un mandat normalement, là, je te parle avec l'appli cadastre. Hein. Quand j'ai cherché un mandat normalement, voilà, je me bats pour mes honoraires. Mais là, en fait, généralement, quand on snipe des maisons comme ça, c'est des maisons où ils sont sur deux, trois mandats simples. Donc, tu sais que déjà, tu as de la concurrence. Donc, c'est là où je me dis que, voilà, je suis pas très gourmand parce que je préfère rentrer à 10 000 et la vendre que rentrer à 15 et faire comme les Oui, non, bah autres après, c'est une et stratégie, hein. Il n'y a ne pas de pas la. règle, hein. Il n'y a pas de règle, Rudy, hein. Il n'y a pas de règle. Si toi, c'est une porte d'entrée qui te permet de prendre le mandat et essaye éventuellement de gicler les autres, parce que l'idée, après, c'est que si tu vas travailler avec l'immomètre et lui faire comprendre et accepter que c'est le bon prix, tu vas travailler aussi pour les autres si tu es en mandat simple. Hein. Enfin, si les autres sont en mandat Oui, simple. bien sûr. C'est-à-dire que si vous êtes Tout à trois fait, bien dessus, sûr. vous êtes à, je dis n'importe quoi, hein. Tu dis 300 000 euros, vous êtes trop cher, tu arrives à le convaincre avec l'immomètre et tu dis bah ouais, finalement le vrai prix c'est 250. Lui il va te signer un mandat simple à 250, mais le truc c'est qu'il va tout de suite téléphoner aux deux autres à dire on met tout le monde à 250. Et eux ils ont déjà un pion d'avance sur toi, ils commercialisent donc ils vont faire venir tout de suite les autres acquéreurs à 250. Que toi, le temps que tu lances la commercialisation, tu auras plein temps de retard. Donc moi je dirais que c'est super ce que tu fais. Mais l'idée, c'est d'analyser aussi les autres professionnels quand tu es en mandat simple et de dire, voilà, soit tu as le client tout de suite et il n'y a pas de sujet, donc voilà, soit tu dis, ben voilà, moi, si vous voulez, on reprend tout à zéro. L'idée de faire une nouvelle commercialisation, parce que je vous regarde depuis 6 mois, et en fait, je vois que vous faites l'escalier, vous baissez doucement le prix. Maintenant, moi, je suis prêt à reprendre avec vous sur les nouvelles bases quand tu lui as fait comprendre, etc. Il met des nouvelles bases, ça veut dire une nouvelle commercialisation. Une nouvelle commercialisation, c'est-à-dire, on efface. Après, je dis, moi, je ne suis pas contre mes collègues, mais aujourd'hui, une personne qui vous a fait un mandat pendant 6 mois, qui ne vous a pas donné le. Je vous rencontre par hasard dans la rue, hein, et je vous donne une estimation qui est normalement, somme toute, normale. S'il ne l'a pas fait avant, il n'a aucune valeur ajoutée à vous apporter aujourd'hui. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que vous me laissez la main un mois, juste un mois. Après, tu verras que tu vas plus qu'un mois, tu ne vends pas. Mais laissez-moi au moins là un mois. Pourquoi? Parce que je veux maîtriser la commercialisation de A à Z, et surtout, je veux donner une impression de nouvelle commercialisation. Parce que de baisser un prix, c'est une chose. Mais une personne, mettez-vous à la place de l'acquéreur, qui voit le même bien, qui baisse un prix, vous envoyez juste un message, c'est que c'est négociable. Donc il faut partir sur une nouvelle base complète pour dire justement que c'est un nouveau bien. On va trouver une solution, mettre des plans, on va trouver des nouvelles techniques pour montrer que c'est un nouveau prix et un nouveau bien. Parce que si vous faites que baisser le prix, déjà, un, les autres acquéreurs, les autres mandataires ou professionnels, tu as bossé pour eux, donc ils vont t'amener tout de suite les clients au bon prix. Et deux, tu n'as pas changé la commercialisation, tu as juste envoyé un message aujourd'hui que on se mettait au bon prix ou qu'on baisse le prix et qu'on est vendeur. Et donc tu envoies un petit message subliminal de dire c'est négociable. Donc essaye de. Je sais que. Alors déjà, c'est très bien, hein, ce que tu as fait, Rudy. Hein, tu vois, c'est juste des conseils. C'est-à-dire que pour pas que tu bosses pour les autres. Essaye d'éliminer les autres d'abord. Tu dis laissez-moi la main un mois, c'est tout. Laissez-moi la main un mois parce que tu vas être dégoûté si demain tu as réussi à convaincre la personne, tu as trouvé l'acquéreur, tu as réussi à avoir la porte d'entrée, etc. Tu l'as mis au nouveau prix et tout d'un coup tu as un mec qui n'a rien foutu pendant 6 mois, qui attendait juste que le mec qui baisse à 250, il arrive, il te fait une offre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé, donc ça m'est déjà arrivé. Et après, la deuxième méthode, c'est grave, bah, moi aussi, je me sers de ChatGPT, hein, et j'ai fait un petit courrier type que j'ai mis dans une enveloppe. Et en D'accord. fait, quand j'arrive pas à croiser, quand j'arrive pas à tomber sur la personne, parce qu'une fois je l'ai fait sur deux, trois fois, il était toujours pas là, donc je dis voilà, j'ai pas passé mon temps devant chez lui. Donc j'ai fait un petit courrier en présentant mes services, voilà. En servant de ChatGPT, j'avais expliqué un peu comment ça s'appelle, le prix du quartier, et j'ai fait un petit guide pour mieux vendre, tu vois, et en présentant mes services. Et là, il m'a envoyé un petit SMS pour me dire que quand est-ce que j'étais disponible pour pouvoir venir estimer sa maison. Donc, tu vois, même un petit courrier comme ça. Est-ce que tu as un moyen de mettre à dispo là pour le Discord un peu le type de courrier? Ça te. Ouais, je pourrais. Je l'ai sur le portable, mais je vais faire ça pour tout à l'heure. J'essaierai de le mettre sur le Discord. Ouais, comme ça tu. Ça donne. Alors, c'est ton exemple qui marche à toi, hein, ça peut. Mais ça peut donner un fil directeur à tout le monde par rapport à des courriers qui fonctionnent parce que il y a deux façons de faire les choses.
Il y a les prospections comme tu as fait, mettre un courrier type, et de dire globalement, je vois Anaïs qui met plein de courriers. Bon, on fera ce qu'on va faire, Anaïs, parce que c'est vrai que là, on peut perdre le fil. Je ferai une rubrique spéciale pour mettre les courriers types dans le Discord. Comme ça, tout le monde aura les courriers types, hein, si ça vous intéresse. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher les adresses. Si vous ne trouvez pas le propriétaire, mettez un courrier type et vous repassez après à un autre horaire et de dire, est-ce que vous avez reçu mon courrier? Tu vois? L'idée, c'est de dire, déjà, on a fait une action. Alors, je ne sais pas comment tu pratiques, mais si tu veux que la personne ouvre ton courrier, il faut marquer son nom, je pense. Il faut marquer son nom et son prénom. Parce que Alors, moi, si... je n'ai pas marqué son nom parce que j'avais pas, il n'y avait pas de nom sur la boîte à lettres. Bien sûr, d'habitude, quand je l'ai, je le mets, hein. Mais là, Voilà. je ne l'avais pas. Mais en fait, voilà, j'ai sur une enveloppe Sapti, en fait, j'avais fait voilà, une jolie enveloppe et il a ouvert puisque j'ai eu un petit SMS. Après, il se peut que voilà, je pense que sur 10, je pense qu'il y en a deux qui vont l'ouvrir ou trois. Mais c'est toujours deux ou trois. Quand tu n'as pas réussi à les avoir une fois, deux fois, trois fois, je me suis dit, bon, voilà, j'envoie quand même un petit courrier. C'est ce que je fais généralement. Maintenant, je ne fais même plus de pige, comme tout à l'heure, tu parlais de pige également. Moi, je fais la pige SMS avec des landing pages et j'ai beaucoup plus de retours avec ça. Après, ça dépend des régions. Moi, j'avais fait un peu du landing page aussi avec des SMS, mais moi, chez moi, ça marche mal. Ouais, c'est agressif. Mais après, bon, voilà, ça dépend. Faut tester. Mais par Moi, je le contre, fais en quatre messages, en fait. on fera une Je le rubrique fais en dans, 4 SMS. ouais, on fera une rubrique dans Pas de le, souci. dans le, dans le Discord pour mettre les courriers types. Anaïs, tu me les passeras, comme ça, je les mettrai. Rudy, si tu peux me les passer aussi, comme ça, tout le monde aura les courriers types. Ouais. Dans un premier temps, vous passez. Moi, ce que je vous conseille, c'est il faut essayer globalement de personnaliser la lettre, je pense, un maximum. C'est-à-dire que, bon, ça ne prend pas non plus énorme, hein. L'avantage, c'est que là, vous allez sur du sniper. C'est-à-dire que là, si je dois mettre, je sais pas moi, une dizaine de noms, bon, bah, ça me prend 1 heure, 2 heures. Je fais des enveloppes personnalisées. Par contre, le résultat est carrément différent. C'est-à-dire que quand tu personnalises, même vous, quand vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez une pile comme ça de pubs, on va dire complètement impersonnelle, vous n'allez pas l'ouvrir. Tandis que là, vous voyez une lettre à l'intention de Christophe Calvino. Ouais, vous ouvrez, bonjour Monsieur Calvino, hop, vous lisez. Tandis que si ce n'est pas personnel, vous lisez. Si ce n'est pas personnel, bah, vous rentrez dans une masse de pubs. Qui sont juste en fait que vous allez jeter quoi. Mais si vous marquez à l'intention de Rudy Coquelet, tu vas prendre la lettre et tu vas l'ouvrir. Tu vois ce Bien que je veux sûr. dire? C'est vrai que tu as raison. Quand, si on arrive à avoir le nom sur la boîte aux lettres ou avec le voisin, mais là, voilà, je l'ai fait comme ça. Par contre, j'avais personnalisé la lettre, pas avec le nom, mais avec la maison, en fait. Tu vois, j'avais les détails de la maison, les prix, tu vois. Donc, et d'abord, c'est ce qu'il m'a mis dans le message. Hein, il m'a mis que, voilà, c'est ce qu'il avait. En fait, il me dit comment vous connaissez vraiment la maison? Je dis bah, parce que je la suis depuis pas mal de temps. Donc, vous êtes parti de tel prix, vous avez baissé de tel prix et vous ne l'avez toujours pas vendu. Donc, il doit avoir un problème. Et donc, Non, c'est pour ça mais qu'il m'a demandé de venir, ta méthode que je est lui très explique son problème. bonne, ta méthode est très bonne, Rudy. Ta méthode est très bonne. Je pense qu'il faut oser. Et l'idée, c'est de faire. Alors, malheureusement, on peut avoir les meilleurs outils du monde, on peut avoir les meilleurs réseaux du monde. Ça reste un métier de commercial. Commercial, c'est le contact. Oui, Contact, il faut que vous ayez. tout à fait. C'est pas parce qu'on a toutes les données qu'on a gagné. C'est pas parce qu'on a le book vendeur, c'est pas parce que, etc. C'est comment vous le vendez. C'est-à-dire, c'est vous. Et la base du commercial, c'est l'intérêt de l'autre. Il faut que vous suscitiez l'intérêt chez l'autre. Et en règle générale, il faut que vous parliez de la personne et de sa maison. Entre guillemets, flatter. Et de dire, vous savez, faut toujours se mettre à la place du propriétaire qui est en vente depuis 6 mois, qui commence à douter vraiment de la valeur de sa maison, qui se dit, comment ça se fait que ma maison, elle est si belle, etc. Ben là, je commence à douter. Est-ce qu'elle est vraiment belle? Voilà, etc. Et là, tu as une personne, un professionnel qui dit, ben, vous avez une belle maison, etc. Tu lui fais du bien. C'est complètement différent que l'approche, par exemple, d'une pige, où là, tu te sens vraiment tellement sollicité que tu as l'impression d'avoir un château. Là, tu arrives derrière, et c'est ça qui est important dans la data, tu arrives derrière des mandats aujourd'hui
qui sont ici pas vendus, où les gens galèrent, qui sont là depuis, surtout aujourd'hui, hein. Bon, alors celui-là, c'est un mauvais exemple, il est en vente depuis 4 jours, mais tu en as plein aujourd'hui qui sont en vente depuis 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, qui ne bougent pas. Et c'est ça, en fait, qui est terrible. Ah ben, disons que je tombe que sur des 5 jours, là. Pas de bol. Mais en règle générale, attends, je vais essayer de t'en trouver quand même une, mais c'est quand même la majorité. Ah non, mais c'est moi qui ai ajouté il y a 4 jours, je dis des conneries. Mais globalement, ça fait. Non, celle-là, ça fait 4 jours. Bon. Mais après, à vous de regarder, mais là, j'ai vraiment pas de bol, je tombe vraiment sur les 4 jours. Mais 2 jours, ben dis donc. Bon, je Et vais après, arrêter, une voilà. autre méthode, Christophe, alors je ne l'ai pas tenté, mais c'est dans mon idée de la tenter. Quand tu n'arrives pas à voir le propriétaire de la maison, bah, taper voir le voisin et lui proposer le Sapti Connect, tu vois, lui sert. Ouais, Parce aussi, que bah lui, il oui. sait que le voisin vend, tu vois. Ah, mais c'est clair. Et il va te donner, même si tu n'arrives pas à voir, tu vas avoir les éléments, tu vas avoir les éléments. Et là, il ne cherche pas, en fait. Il sait directement que le voisin est là. Donc, il le fait, généralement. Bah, je pense qu'il va le faire. Je ne l'ai pas encore testé, mais sur de certaines maisons, je pense que je vais le tester. Bah, en fait, tu racles avec tout ce qu'on peut prendre. C'est-à-dire que, en fait, tu as bien compris, Rudy, que tout ce qu'on a, c'est comme des hameçons. Plus tu jettes d'hameçons, plus tu as des chances de récolter. Et c'est pour ça que il faut beaucoup de data, il faut beaucoup de contacts. Et comme tu dis, les voisins, si tu croises un voisin, ça t'y connecte, je cherche machin. Tout ce que tu fais doit être productif, globalement. Tu peux pas te dire, ah oh, ben j'ai fait une maison, j'ai découvert deux adresses. Oh, ben, deux adresses, ils sont pas là, je reviendrai la semaine prochaine. Parce que ça, c'est pas productif. Il faut que tu. C'est comme l'entonnoir, tu as 50 contacts. Tu auras 10 rendez-vous, 10 rendez-vous, tu auras 3 personnes où tu vas rentrer chez elle, et 3, peut-être, tu auras un mandat. Quoi. Et après, 3 mandats, tu auras une vente. Mais il faut T'as que raison, tu. Il c'est faut ce que je faire disais à ma fille là, quand il y a ma fille. Il faut faire de Sur 20 la. contacts, voilà, sur 20 adresses que tu veux te donner, tu vas peut-être rentrer un ou deux mandats, mais c'est un ou deux mandats que tu n'avais pas. Donc, Exactement. et je pense que aussi l'application, elle est révolutionnaire également pour le recrutement, puisque je te dis, moi, les nouveaux que j'ai recrutés, là, les deux, et franchement, ils sont ravis. T'imagines un parrain qui leur donne 10 à 20 adresses à les vérifier, tu démarres pas sur une feuille blanche. Tu Mais démarres je déjà à te aller l'ai dit, voler Rudy, moi des j'ai mandats, croisé des quoi. mecs C'est top. du réseau à 3 lettres. Ils n'ont pas 10, 15, 20 filleuls, ils ont 300 filleuls. Et les mecs, en fait, c'est devenu un métier, hein, après, c'est même plus l'immobilier, donc moi je ne suis pas forcément fan. Mais pour parler de recrutement, les mecs, ils payent le logiciel plus t'as un package déjà de 20, 20 particuliers que tu peux aller démarcher qui sont vendeurs. C'est-à-dire que globalement, il faut analyser les choses. Imagine un mec qui sort de formation. Bon, bah, il a la tête super fort, mais tu sors, quand tu commences dans ce métier, que ce soit chez Safety ou n'importe qui, après ta formation initiale, tu pars, t'es à poil. T'as rien. Tu dois aller en Ah oui, Christophe, pige, aujourd'hui oui. avec la pige qui est difficile. Tu dois aller en prospection, bah ouais, il va falloir y aller. Bah, c'est quand même différent qu'un filleul te recrute. Eh ben, moi, ok, bah, par rapport à lui qui doit tout commencer à zéro. Toi, tu pars déjà avec un portefeuille de 20 propriétaires, avec tout l'historique, avec un jeu logiciel où tu vas pouvoir tout gérer tout de suite. Le mec, il vient chez toi. C'est obligatoire. Et ça coûtait quoi Bien au sûr. parrain? 10 balles par mois. C'est rien par rapport à ce que peut Oui, bien. rapporter Puis après, son filleul. je ne sais pas si il y a le réseau à trois lettres utilise également l'application cadastre.com, hein, mais Oui. en tout cas, je sais que même si ils ont cadastre.com, ils n'utilisent pas l'hymomètre, hein, parce que quand je vois leurs tarifs, quand je vois les prix qu'ils ont sur le Non, marché, je ne pense alors, pas. Et la plus-value. pour te parler un peu de l'historique, la base de cadastre.com, c'était, il l'avait pris dans le pack de l'IAD, d'accord? Okay. L'hymomètre, c'est une discussion entre Olivier et moi depuis cet été. Moi, l'hymomètre, je l'avais pensé en 2017. J'avais même mis une vidéo sur le groupe Facebook à l'époque. Et donc, l'hymomètre, c'est quelque chose qui a accouché depuis cet été. Et je te dis, moi, je l'ai fait le rent à cadas.com. Je le connais très bien parce que je l'avais dans le cerveau depuis 3 ans. Donc, l'hymomètre, il ne l'utilise pas aujourd'hui comme nous, on l'utilise parce que
Alors, je ne veux pas dire que je. Voilà. Mais comme je l'utilise moi, c'est une création que j'ai en tête depuis 3-4 ans. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur l'hymomètre. Ils ne savent pas l'utiliser comme nous et comme les formations qu'on partage aujourd'hui. Donc, que le cadastre.com ne soit pas exclusif, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est comment nous, on va se former dessus. Parce que la formation, je peux t'assurer que le bruit que ça fait aujourd'hui de ce qu'on fait dans le Discord, le groupe cadas.com by Safety, tout le monde en parle et même tous les DG des gros groupes. Et qu'est-ce que vous faites dans ce groupe? Ça fait peur à tout le monde. Parce qu'on est en train de faire quelque chose que personne ne fait. C'est de dire, globalement, on est en train de se performer sur l'outil. C'est comme si, je prends toujours cet exemple, tu avais deux marteaux, tu as une personne que tu vas former pendant 2 ans pour être un menuisier, il va te faire une toiture, et t'en as un, il sort avec le même marteau, mais il n'a aucune formation, et ben il va juste planter des clous dans un mur. Voilà, la différence, elle est là. Ce qui est Tout à fait. exclusif, c'est ce qu'on fait là aujourd'hui, l'expérience qu'on partage, les formations qu'on partage ensemble, qu'on essaye globalement de s'améliorer, ça, c'est exclusif. Et c'est ça, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, on a la chance. À la base, le réseau Safety était interdit à cadas.com parce que, à la base, la règle de cadas.com, c'était on fournit le logiciel pour des réseaux dans lesquels ont des partenaires. Et donc, moi, j'ai connu Olivier par des amis interposés et j'ai dit, c'est bête, aujourd'hui, ok, on a aucun partenariat. Mais je pense qu'il y a matière, et donc j'ai réussi à le convaincre aujourd'hui pour ouvrir le portail. Mais à la base, il y en a beaucoup aujourd'hui qui veulent rentrer chez cadas.com, mais qui sont notamment des particuliers, qui sont refoulés. Donc voilà. Mais bon, voilà, bref, pour la petite histoire avec IAD, et aujourd'hui, IAD essaye de nous copier et essaye de s'infiltrer dans notre groupe. C'est pour ça que j'insiste vraiment, quoi, si vous allez dans un autre groupe, je sais qu'il y a des fuites, ça fait partie du jeu, etc. Mais soyez corporate, je veux dire, ok, on a le droit de partir sur un autre réseau, on a le droit mais misez sur votre autre réseau, voilà. Si vous allez sur l'autre réseau, c'est pour vous avez des raisons qui vous appartiennent, voilà. Mais on peut pas avoir tout et sur tous les aspects. Nous, on essaie de rendre quelque chose d'exclusif, pas l'outil, mais notre formation et notre expérience. Jouez le jeu. Soit vous restez et à ce moment-là, on partage notre expérience, ou soit vous misez sur un autre réseau et vous partagez avec l'expérience de l'autre réseau. Voilà. Après, c'est une histoire d'être corporate et puis d'être nickel. Vous savez, dans ce monde-là, tout est petit et tout se sait. Hein. Donc, si vous roulez, entre guillemets, les personnes, entre guillemets, si vous ne la faites pas à l'envers, ça va se savoir. Surtout aujourd'hui, avec les outils qu'on a, je vous rappelle quand même que vous êtes avec des devs derrière qui travaillent sur l'outil Discord. Donc, on peut remonter les sources des personnes qui trichent, quoi. Donc, c'est pas l'idée, on n'est pas là pour fuir les gens, mais ceux, en tout cas, qui essaye d'être malveillant, oui, on va remonter. Donc, ça va se savoir, donc vous allez plutôt être perdant. Voilà, donc nous, moi, ce que je tiens, et là où je me fais vraiment le gardien, c'est vraiment notre expérience, pas du logiciel, parce que le logiciel, bah, c'est comme le marteau du menuisier, tout le monde peut l'avoir. Mais par contre, ce que nous, on va développer dedans, oui, j'insiste sur le fait que je n'ai pas envie que ça parte à droite, à gauche. Voilà. Bah écoute, super, Rudy. En tout cas, bah écoute, maintenant, te laisse pas inonder par la data. Travaille comme ça, comme je t'ai dit, tu as un mandat. Si tu as 89 mandats, c'est un truc de fou. Je sais pas combien tu as de mandats, toi, en portefeuille, ou même avec tous tes J'en filleuls ai confondus. 25. 25, plus tous tes filleuls. Ah, mes filles, elles débutent. Donc au total, je pense qu'on a une cinquantaine de mandats. Tu te rends compte quand même que tu as 50 mandats avec une data de 89. Ça veut dire que normalement, chez vous, quelqu'un qui appelle un mandat, il ne sort plus de chez vous tant qu'il n'a pas acheté. Normalement. Mais c'est ça en fait. Tout à l'heure, tu parlais de la demande acquéreur et tu m'as donné une idée de fou en fait. Parce que maintenant, en fait, je vais faire un groupe dans mon équipe hein, de demande acquéreur. Et en fait, comme j'aime bien la data, j'aime bien faire hein, le matin. Tu vois, de nouvelle heure au matin, j'aime bien faire ça. Donc je me dis maintenant, ils vont me donner leur demande acquéreur et on va pas les laisser partir. On va leur trouver les maisons. Voilà, le but c'est voilà de. Et moi, je suis dans une région où Safety n'est pas connu en fait. On a très peu de parts de marché. Donc moi mon but c'est de manger des parts de marché. Et l'outil va m'aider énormément. Bah là, c'est génial, si tu as compris ça, que avec tes mandats, c'est devenu des produits d'appel, et tu n'as pas 50 mandats, mais tu en as 50 plus 89,
C'est-à-dire que tu as une base de données sur La Réunion qui est de plus de 130 mandats, t'imagines? Globalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui rentre, qui appelle sur un de tes mandats de ton portefeuille ou celui de ton filleul, si vous êtes bien réseauté, vous avez globalement, il sort plus de chez vous sans acheter, obligatoire. Et là, vous êtes Oui, au tout à début. fait. Après, il faut mettre, il faut mettre les bons groupes. Il faut que ça, voilà, comme tu dis, faut bien que ça soit bien fait pour qu'on laisse plus partir. Surtout que chez nous, on a l'avantage d'avoir, je sais pas si chez toi c'est pareil, mais actuellement, nous, l'immobilier reprend et on a beaucoup de financement en paiement comptant, énormément en ce moment. Oui, mais nous aussi, ça reprend quand même Donc. gentiment. Donc, il faut pas lâcher le morceau. Et en plus, clairement, tu as, comment dire, tu as double emploi, entre guillemets, c'est-à-dire que tu peux non seulement proposer des mandats donc, que tu n'as pas, et deuxièmement, tu peux toucher aussi des propriétaires que tu n'as pas eu au téléphone par la pige ou quoi que ce soit, tu vois? Donc tu as plusieurs choses à la fois que Oui, tu tout à peux fait. avoir, et comme tu dis, tu gagnes sur tous les aspects. Tu proposes des visites en mandat de recherche, tu proposes de prendre le mandat parce qu'il a déjà eu un historique qu'il n'a pas vendu et tu arrives à le convaincre de l'inverse, et tu en proposes en plus du Safety Connect. Donc tu tapes sur tout, en fait. Et c'est comme ça que tu vas accumuler. Oui, c'est franchement l'outil est vraiment franchement il est vraiment top. Et là après voilà, moi je le trouve vraiment top pour sniper, mais je reviens dessus parce que je ne sais pas si mes collègues l'utilisent. Moi je l'ai bossé, j'ai suivi ta formation chez Lumemaître et je me suis perfectionné, on va dire. Voilà, j'ai travaillé une semaine dessus sur plusieurs biens pour avoir la bonne répartie. Mais l'Lumemaître en estimation, il est magique, il est vraiment magique. C'est Parce ça. que là, on fait l'estimation devant le client, on lui ment pas et tu vois, on cache rien. Il y a pas, c'est pas une estimation sortie du chapeau. Tu vois, il voit tout devant toi et en même temps que toi. Bah, je me suis même Et surpris c'est des fois de top. faire des Vraiment, estimations qui n'étaient pas prévues parce que je rencontre la personne comme ça, c'était pas prévu, sur une visite et on voit que la visite, bah, il l'a pas vendue, donc je switch chez eux. Bah, vous avez 5 minutes, Monsieur Calvino, pour aller chez moi, voir, etc. Bah, écoute, ouais, là j'ai 1 heure et demie. Donc je vais chez la personne, je n'ai pas du tout préparé l'estimation. Et le fait des fois de découvrir avec l'hymomètre long marché, j'ai la même sensation que eux en instant T. C'est-à-dire que c'est encore plus crédible parce que je fais, ah ouais, quand même, je suis vraiment sincère dans ce que je vois, et ils voient mon bien sûr. émotion. Parce qu'en fait, tu peux pas, si tu l'utilises correctement, l'hymomètre, tu peux pas te faire avoir. C'est-à-dire que c'est vraiment factuel. Non, J'ai fait la démo et avec la capacité d'en entrer, c'est top. En fait, j'ai fait la démo, je crois que c'était avec Christophe, voilà, qui disait que c'était violent l'écart de prix. Mais c'est pas l'hymomètre qui est violent, c'est le marché. Clairement, c'est ça en fait. Et l'idée, c'est de pas forcément descendre au prix de l'hymomètre, mais de leur dire, bah voilà, moi si vous me faites confiance, on va arriver à flirter avec ce prix-là, quoi. Tu vois? Bon bah écoute, Rudy, super, Oui, bien. génial, continue, Ouais, tiens-nous au impeccable. J'ai courant. cru que je vais laisser la place aux autres. En tout cas, nickel. Impeccable. Je te remercie pour ce que tu as fait. Essaye de me transmettre tes courriers types Ouais. que tu mets, comme ça avec J'envoie tout, ceux ouais. d'Anaïs. On va mettre, je ferai une petite vidéo là-dessus. On mettra une session pour les courriers types qu'on met, toi qui ont fonctionné. Anaïs nous donnera son commentaire aussi. Voilà, on aura les courriers qu'on peut poster sur du sniper, c'est-à-dire des courriers. Ce n'est pas des courriers de prospection, des courriers personnalisés où on a vu des gens qui vendaient, qui n'ont pas vendu. Pourquoi pas personnaliser leur truc? Ça fait 3 mois que je vous regarde, etc. Plus tu personnalises, plus tu perds du temps, mais plus tu es efficace. Plus tu seras entendu, en fait, à mon avis. Oui, Hein. tout à fait, personne. Voilà. Ok, merci Ok, je te Rudy. mettrai ça. Je t'envoie ça. Merci. Ça marche, merci à toi. Merci. Michel, si tu mets ton micro, on t'entend. Michel est parti. Bon, si une autre personne a une expérience de terrain ou même, pourquoi pas, ce qui n'a pas réussi. Attends, ah, quelqu'un revient. Anaïs, voilà. Anaïs, bienvenue. Hello tout le monde, salut Christophe. Bien, bien. Ouais, ça va être ça. Ouais, nickel, nickel. Dis-nous tout. Alors, expérience, écoute, comme vous le savez, on en a parlé la semaine dernière, moi j'ai énormément de data, mais ce que j'ai énormément de mal, c'est à me concentrer et faire à l'essentiel.
Donc cette semaine, j'ai fait que les DPE, notamment les nouveaux DPE qui sont sortis. Pour l'instant, j'ai eu une info concrète. Alors, il faut savoir que je mets pas juste le petit courrier, hein. Je sonne à la porte, je cherche, et une fois que j'ai l'information, je mets le courrier pour dire que je suis passée. D'accord. Ou alors, si j'ai eu personne en face de moi, je mets le courrier, pour dire coucou, je suis là, je suis passée. Mais surtout, le courrier, je le mets personnalisé. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour concret. J'en ai un seul que j'essaye de choper absolument parce que le voisin m'a confirmé qu'il voulait vendre. Mais compliqué d'avoir ce fameux monsieur. D'accord. Donc là, concrètement, toi, qu'est-ce que ça... Est-ce que... Parce que toi, je sais que la data, tu l'as fait bien. Alors, attendez. Je réponds juste une Excuse-moi, seconde. Christophe, je fais juste un test. Est-ce que tu m'entends? Ouais, nickel. Ah bon, ok. Allez, je laisse ma place. Oui, Monsieur Péquet, je suis en réunion. Dites-moi, c'est urgent? Oui, bah, ils sont en train d'interchanger les notaires entre eux. Après, je n'ai pas eu la date encore. Hein. D'accord. Bon, mais par contre, la partie privative, c'est toujours bon. Ok. Bon. Oui, c'est nickel, c'est nickel. Mais je peux pas trop parler, je suis en visio. Hein? On se rappelle après, M. Péquet. Allez, ça marche. Ça marche. Merci. À tout à l'heure. Ouais, désolé. Ouais, donc toi, concrètement, Anaïs, c'est sur le terrain, donc t'as toujours pas de conclusion de. Pour l'instant, j'ai toujours rien. Et par contre, moi, je suis fan du logiciel, hein, donc je suis persuadée, comme tous les commentaires qu'il y a pu avoir. Donc c'est pour ça que je maintiens la chose. Il y a beaucoup de pistes que j'ai eues, mais c'était aussi de la location. Donc j'en ai parlé avec Olivier, qui sont en train de travailler dessus, si je ne me trompe pas, pour qu'à un moment donné, on arrive à savoir faire la différence entre les DPE de loc et les DPE vente. Oui, bah ils sont en train de bosser dessus. Ils sont en train de bosser dessus. Là, ils sont en train de faire un travail de fou. Là, j'en parlais tout à l'heure avec lui. Là, ils sont couchés à 3 h du mat. Ils sont en train de faire un gros truc là, mais je ne peux pas le dire, j'ai pas le droit. Sur les DPE. Pas de Mais souci. globalement, s'ils arrivent à faire ça. Ouais. On sera au top. Ah ouais, franchement. Voilà, si vous avez des tips à me donner en plus, je prends. Moi, je te dirais juste une chose, essaye, si tu n'arrives pas à rentrer par la face nord, essaye par la face sud, dans le sens où si tu as des mandats, tu as des mandats J'ai avec plus les... rien, Christophe, tu sais. Ma problématique, elle est de rentrer des mandats parce que quand je les rentre, bah, je ne devrais pas me plaindre, mais je les vends. Oui, bon, c'est déjà une bonne Donc, je nouvelle. travaille sur plus d'enjeux. Mais tu as raison, moi je suis le plus inquiet, c'est... Alors quand je vends, je suis content, bien sûr, mais... Alors, en même temps, j'ai une double sensation où je me démunis d'un bien. Et donc, ça me crispe autant que de le vendre quelque part. Donc, moi, j'ai la même problématique que toi, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pas beaucoup de mandats. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ma data cette semaine. J'ai fait beaucoup de piges. Et la pige aussi est compliquée dans le sens où j'arrive à avoir des rendez-vous. J'ai même le service rendez-vous pige de Safety. Je suis en train de tester. Même si je l'avais déjà testé, tu sais, l'option du Bon Coin. On va vous la montrer d'ailleurs en live ce que ça donne. Où tu payes quand même 100 balles par mois. Et ils te promettent des rendez-vous qualifiés. Bon, je vous montrerai comment ça fonctionne. Écoute, j'ai un collègue qui l'a testé pendant un an. Ça n'a absolument rien donné. Et dans mon ancienne agence, ils l'avaient testé aussi. Ils avaient même pris le full pack, tout ce que tu veux. Ça n'avait absolument rien donné non Je plus. l'ai testé aussi, je t'explique pourquoi je l'ai pris. Parce que j'ai eu directement la commerciale du Bon Coin. Écoutez, moi j'ai déjà testé un an, blablabla. Donc elle a réussi à me dire qui l'avait sur ma commune et combien de leads ils avaient eu sur un an. Donc comme nous on avait, on le faisait si tu veux, c'est Safety qui faisait, on va dire, tampon entre eux et nous. Là j'ai directement la commerciale. Je lui dis voilà, je vous préviens, je vous fais confiance.
Vous me dites que vous avez, ils sont quatre à le prendre sur ma commune, et ils ont eu en moyenne 72 leads qualifiés. C'est-à-dire que, je dis globalement, ça veut dire que moi j'en ai 4, 5 par mois, me dit normalement oui. Donc je les attends au tournant. Et en fait, globalement, si tu veux, je vous montre sur mon écran comment ça fonctionne. En fait, c'est assez simple. Tu vas sur le bon coin et tu vas sur ton tableau de bord. Là, j'ai 4 contacts, tu as 4 nouveaux contacts. Bref. Par contre, à la une, ça marche très fort. Hein. Franchement, ça marche super fort. C'est outils de prospection. Alors là, je trouve que c'est un peu bidon parce que là, ils te disent, en fait, ce sont des gens qui ont fait des estimations. Là, j'ai 45 personnes qui ont fait des estimations autour de chez moi. Comment ça fonctionne, les estimations? C'est que quand tu vas sur... alors, je ne sais pas si je l'aurai sur cet écran, mais quand tu vas chercher globalement à acheter des biens, ouais, celui-là, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas. Il te propose une option pour estimer ton bien. Alors l'estimation est assez bidon, je dois l'avouer, mais en même temps, il te référence un peu à la meilleure agent. Et donc, une fois qu'ils ont fait globalement cette estimation, ils sont d'accord de le partager avec un professionnel, c'est-à-dire que là, tu vas sur outil de prospection, et de t'appeler pour avoir, bah, c'est un peu comme nous, bien ici, mandat, hein. Non, bien estimé, pardon. Et de dire, bah voilà, je veux qu'un professionnel vienne chez moi pour affiner mon estimation. Mais là, tu vois, ce sont que des gens qui ont fait des estimations. Ils te donnent le quartier, mais voilà, t'as pas l'adresse en fait. Ça, c'est pas les adresses. Hein. Ça, c'est globalement les coins où les gens. Par contre, tu sais que lui, il a fait un appartement 2 pièces. Tu sais que lui, il a fait une maison 4 pièces sur ce quartier-là, il y a 7 jours. De 73 mètres carrés. Ouais, mais Christophe, Mais c'est ça, c'est. pas un peu. Est-ce que c'est du réel ou c'est un peu bidon comme Non, 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 meilleur non, agent? non. Est-ce qu'il ne s'inscrit Non, non, pas de ça. meilleur agent aussi pour Non, te prendre de ça, la c'est data réel. finalement? Non, ce qui est ré... ça, c'est réel. Ce qui est. Là où j'ai un doute, c'est le fait que ça soit de la donnée pertinente. Voilà, c'est juste ça. Ce sont vraiment des gens qui font des estimations sur le bon coin. Elle m'a montré globalement le lead, hein, parce que je ne voulais pas globalement le prendre sans preuve. Donc elle m'a montré tous les leads. Elle m'a montré qu'effectivement, j'ai fait l'expérience avec elle et je l'ai fait globalement là sur je vais essayer de vous le montrer. Je l'ai fait aussi globalement en live. Et c'est vrai qu'il propose mon contact. Donc. Je vais essayer, hein, je vais réessayer. Je lui dis, mais voilà, si j'ai pas mes 4 leads, attention, voilà, globalement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que moi, je veux bien prendre 99 balles, il n'y a pas de souci. Là, par exemple, je vais partager ici mon écran, je te montre un peu comment. Mais j'y crois pas des masses, hein, je te le dis franchement. Mais bon, écoute, je tente, hein, j'ai pas d'autre option. Aujourd'hui, moi aussi, j'ai besoin de mandat. Donc, il faut que je. Hop, vas-y, hop, est-ce que j'ai la bonne page? Tu vois, quand tu fais une estimation ici, tu vas sur maison, je dis n'importe quoi. C'est assez bidon, hein, leur truc. Hein. Mais maison, surface Ouais, je l'ai habitable, déjà testé. 110 mètres Je pense qu'on carrés, est plusieurs à tac-tac, l'avoir testé pour voir ce dès que que ça sortait. possible. Qu'est-ce qui me manque? Votre adresse. Donc, je marque n'importe quoi. Pardon, 18 rue Funa, à Bourgoin-Jallieu. Voilà. Et donc, en fait, quand tu fais ça, tu vas en continuer. Et tu vois là, ils proposent les noms. Donc, on n'est que 4. Et donc là, je suis référencé, donc renseignez votre nom. Et s'ils ne décochent pas, c'est qu'ils sont d'accord que je les appelle. Bon, voilà. Donc, je teste. Écoute, je teste. Je vois comment que ça se passe. Combien là? Tu le testes et tu le payes combien? Eh bien, je le paye 99 avec l'outil de prospection plus les trucs soi-disant qualifiés. Mais moi, je dirais, j'en suis moyennement. Je suis 10 fois plus confiant avec cadas.com à 10 balles par mois qu'à ça 99 par mois. Voilà, je te le dis. Hein. Mais voilà, je teste. J'aime bien tester. Elle m'a convaincu en me montrant les leads. Je vais voir. Voilà. Ok. Mais c'est 100 Est-ce balles. que tu as, est-ce que tu as des réponses en tout cas pour peut-être m'aider à ma problématique? Est-ce qu'il y a des choses que je fais mal et que je pourrais corriger? Alors, peut-être que, à mon avis, je ne te vois pas en, 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 en...
En réel, mais je pense que Rudy a dit quelque chose de très important, c'est d'abord de parler de tout sauf sa maison. Créer un contact. Peut-être que ce qui te manque, c'est ça. C'est-à-dire que peut-être que tu rentres tout de suite dans le sujet. Je te connais un tout petit peu, tu es assez direct. Donc peut-être qu'il faut que tu sois plus autour de la Douce, maison. Tu vois, non, j'ai pas dit pas plus douce, mais moins moins direct, cash, moins cash, moins moins direct. un peu plus de filtre. Voilà, peut-être que, à mon sens, je veux pas faire des. Voilà, je sais pas, mais je pense que toi, tu vas trop à l'essentiel. Toi, Rudy dit, bah, vous avez une belle maison quand même ici, etc. Tu essaies déjà de repérer quand la personne est là. Tu essaies de la. Ah, vous avez une belle maison et tout, je cherche des maisons. Mais ne parle pas tout de suite de lui. S'il a fait un DPE, s'il est en agence, s'il est en tout ce que tu veux, c'est pas l'idée. L'idée, si tu veux. C'est vraiment de créer un lien. C'est un métier, surtout sur le terrain, commercial et humain. Donc il faut que, vraiment que tu crées le lien avec la personne. Et une fois que tu as le lien, après, je pense que ce qui te manque, je pense, c'est juste le lien. Mon avis. Parce que, encore une fois, c'est pas parce que tu as la data, c'est pas parce que tu as toutes les réponses qu'on va t'ouvrir la porte. On va t'ouvrir la porte parce que je te fais confiance. Je me rassure. Tu me fais pas peur. Si tu arrives, je grossis le trait, hein, en disant je sais que vous avez fait un DPE, je sais que ça fait 6 mois que vous ne vendez pas, etc. Ouais, elle va m'éclater, j'ai pas envie, franchement, je sais, je ne dors pas la nuit à cause de ça. Elle arrive, elle est en train de me faire un constat que je connais déjà. Tu me fais pas de bien en fait. Tu me rassures pas, tu vois ce que je veux dire? Tandis que si tu dis bah écoutez, je comprends pas. Essaye d'être sur, on va dire, la face sud du truc. À mon sens, pour moi, parce que la data, tu l'as. Donc je vois pas le problème. Si tu as la data, c'est sur le terrain où ça matche pas. C'est-à-dire que, à mon sens, sur le terrain, c'est très. Moi je le fais pas assez. Hein. Je fais pas assez d'aller sur le terrain, je veux dire. Mais je vais me forcer. D'ailleurs, c'est pour ça que je fais cette session. Ça me force à aller dessus parce que le côté commercial, moi j'adore ça. Et c'est créer, parler comme dit Marc. Quand tu vois un client, il faut que tu imagines sur son cerveau, pas sur sa tête. Une pancarte où il marque parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Donc il faut que tu parles de lui, sa maison, machin. Il faut que tu crées un contact, un lien. C'est vraiment la base. Je pense que c'est là-dessus que tu pêches. Je pense. Écoute, je vais essayer de changer le discours cette semaine et je vous ferai un retour la semaine prochaine. J'ai prévu de terminer les DPE aujourd'hui. Demain, j'attaque les mandats simples. Jeudi, les biens abandonnés et usés. Et vendredi, je repasse là où j'ai pas réussi à avoir un contact. Voilà, mais c'est ça, Anaïs, quand je t'écoute parler, t'es comme une machine. Là, tu déroules, t'as un planning, c'est stop, hein. Parce que c'est comme ça que c'est comme ça qu'il faut travailler à la base. Mais si tu as cette même structure de machine quand tu arrives devant un client, ça ne fonctionne pas. C'est un métier humain. Tout est genre aujourd'hui. Pourtant, Dieu sait que j'adore le digital, l'intelligence artificielle. Mais tout est comme ça. Et de créer un peu d'humain, ça fait du bien, quoi. Et avec tout ce qu'on entend. Je vois les petits messages de tout le monde là sur le groupe. Merci beaucoup. Ben, écoutez, je suis à votre écoute. Si vous avez des accroches à me donner un peu moins cavalier, puisque c'est vrai que j'ai un caractère où je n'ai pas de filtre et je sors directement les grands chevaux, alors que ça peut être un avantage comme un inconvénient. Ça dépend des profils, mais malheureusement, quand on parle à une personne derrière une porte, on ne sait jamais à quel profil on va parler tout de suite. Alors, il y a des petits trucs commerciaux hein, qui sont la base et qui marchent toujours. Tu vois, par exemple, si tu arrives à avoir une conversation, demande-lui son métier. Son métier. Gendarme, policier, militaire, profil sécuritaire. Ah oui, carrément. Chef d'entreprise, machin, profil orgueil. Et une fois que tu as, si tu veux, déjà le portrait qui se dessine, tu sais où l'attaquer. Prof, bah, les profs, ils ont toujours l'impression d'être en classe, que tu es son élève. Donc, rentrer dans ce jeu-là. Essaye d'absorber l'énergie de l'autre par rapport à ce qu'il t'envoie et de le retranscrire une fois que tu as son portrait robot, de le retranscrire dans ses failles parce que tout le monde a des failles. Et déjà, le métier, si tu arrives à rentrer chez la personne, regarde la déco, regarde.
ce qu'il a chez lui, son centre d'intérêt. Ce que disait, je sais, c'est Olivier qui disait ça. Maintenant, Facebook aide beaucoup là-dessus. Si tu arrives à voir le nom de la personne, tu vas sur son Facebook, tu vois tout ce qu'elle aime. Si elle aime boire des Je le fais bières déjà. et si elle aime boire des bières et manger des saucisses le dimanche avec ses copains, bon, après, c'est à toi de voir, mais tu Facebook connais. est mon meilleur ami. Mais voilà, tu vois qu'elle adore la planche à voile, l'équitation, les voitures. Tu sais sur quelle. Ça, c'est des portes d'entrée, tu vois. C'est des grandes portes d'entrée. Moi, je sais que des clients, il y avait une nana, c'était une femme seule, elle avait un petit Yorkshire, j'adorais les Yorkshire. Ah, j'ai eu un Yorkshire et tout, qu'est-ce que c'est fragile comme animal? Ah oui, m'en parlait pas, machin, etc. Oui, bah moi, il a été chez le véto, on l'a sauvé. Ah bon, ah bon? Et tu rentres. Pendant 1 heure et demie, j'ai parlé carrément de Yorkshire. Mais vraiment, hein. Et la dernière demi-heure, j'ai parlé de son appartement, ancien le mandat. Mais c'était validé l'heure et demie à valider le mandat derrière. Et de toute façon, dans notre métier, on parle 70% de la personne et 30% de notre temps après derrière Si tu du vas. produit. Et encore 30%, je suis gentille, hein. Si tu vas dans l'idée de prendre le mandat et quand tu lui parles, tu as dans ta tête le mandat, rentrer chez lui, tu rentreras jamais, tu n'auras jamais le mandat. Si tu t'intéresses vraiment à la personne, mais vraiment, faut t'intéresser à la personne. C'est un métier où il faut avoir de l'empathie et en même temps, il faut rester commercial, mais faut vraiment aimer les gens, même si tu n'iras pas faire un barbecue avec elle le dimanche parce que tu la trouves complètement. Voilà. Elle plaît pas du tout parce que son caractère, etc. Mais t'es commercial, tu dois aimer tout le monde. Entre guillemets, hein. Tu dois aimer, tu dois dire que bah, tu trouves cette personne, elle est con, mais bah, con, achète et vend comme tout le monde. Sauf qu'il est peut-être con parce qu'il a une raison derrière. Tu comprends? Donc, je dis pas de faire du social parce que ça peut prendre beaucoup de temps, il faut mettre les limites aussi, mais intéresse-toi vraiment à la personne. T'intéresse pas. Aujourd'hui, lundi, je fais la pige, demain DPE, demain je refais le machin, demain je fais l'estimation. Bonjour madame, j'ai vu que vous aviez fait le DPE, machin, etc. Ah, t'arrives chez moi, t'es un huissier. Oh. Non madame, vous êtes gentil, mais c'est bon, j'ai assez de problèmes, j'arrive pas à vendre. Vous êtes en train de me dresser un portrait, pourquoi j'arrive pas à vendre, c'est bon, j'en ai pris plein la tête, j'ai pas envie de vous recevoir chez moi, quoi. Par contre, si t'arrives, bonjour, vous avez vraiment une belle maison et tout. Ah, le marché est difficile. Et moi, je pense que votre maison, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Hein. Et vous, alors, vous en êtes où, machin, etc. T'es gentil avec moi. Tu me fais du bien. Alors que tout le monde m'agresse depuis des mois. Toi, tu me fais du bien. Je dis, ouais, ah, ça vous dérange si je rentre 5 minutes pour voir? Parce que je comprends pas, honnêtement. C'est vrai que moi, mon métier, c'est je suis un peu tout le monde. Je vous suis. Et bah, je vous vois toujours sur le marché. Je me pose des questions, quoi. Ça vous ennuie si je rentre 5 minutes avec vous? Je suis sûr qu'ils t'ouvrent la porte. Et une fois que tu rentres chez eux, tu vois comment elle vit. Plus ça va, plus le portrait robot il se dessine. Et plus tu rentres. Et laisse-la parler. Laisse-la parler. Laisse-la parler. Même si tu sais ce qu'elle va dire. Même si tu sais mieux qu'elle certaines choses où elle dit des aberrations, laisse-la parler. Moi, j'avais un petit filleul, il me dit, ah, j'arrive pas à prendre de mandat. Je dis, bien, je viens avec toi. Le mec, il vient, le propriétaire, mon filleul, moi, je suis derrière, je dis rien. Et on rentre, on dit, bon, écoutez, on vous laisse présenter votre maison, etc. Et le mec, il commence à dérouler sa maison. Alors là, le propriétaire, il dit, là, c'est l'aspiration centralisée. Et tout de suite, mon filleul, il saute dessus. Oui, je sais. Alors, les techniques, machin. Je dis, mais tais-toi. On sait que tu sais. Mais lui, il a besoin de parler pour se rentrer en confiance. Et plus il va parler, plus il va te donner des brides de pourquoi il est méfiant envers les agents immobiliers. Et le fait est, c'est qu'il disait, oui, bah, oui j'avais un agent immobilier, il m'a fait ci, ça, etc. Et tu sais où il faut aller. Tu comprends? Laisse parler les gens. Il faut que tu m'inspires confiance, Anaïs. Il faut que je me dise, toi, tu es ma meilleure amie. Je t'aime bien, en fait. Tu me fais du bien, tu es commercial. Un commercial, c'est quoi? C'est quelqu'un à qui tu fais confiance. Que quelque part, tu te sens bien avec lui. Que quelque part, il te met dans un cocon. Tu dis, mais oh, la vache, il arrive à me. Inconsciemment, s'il arrive à m'enrober comme ça, moi, ça veut dire que s'il a un client pour moi, il va faire la même chose. Vous savez, moi j'avais des clients, ils m'ont dit, vous savez pourquoi j'ai signé une exclue avec vous? Ben, je dis, allez-y. Ils disent, parce que je voulais pas de mandat et vous avez réussi à me convaincre. Je me dis que vous, en tant que commercial, si vous arrivez à me convaincre, vous allez arriver à convaincre un acquéreur. Inconsciemment ou consciemment, ils te testent. Si toi, aujourd'hui, tu leur fais peur en arrivant avec tout cet état de fait de leur appartement, je dis, mais moi, elle me fait peur, comment elle peut me vendre ma maison en étant aussi brute? Tu comprends? Je grossis le Ah, je suis trait. trop brute de pomme.
T'es trop dans le. À mon avis, t'es trop dans le. Je tranche dans le vif. Tu vois ce que je veux dire? Allez, hop. Objectif, on va modifier ça pour la semaine prochaine pour avoir des wins. Voilà, bah écoute, voilà, c'est. Bon, mon avis, c'est ça. Après, je sais pas, On je suis va pas. prendre, on va enlever le positif et garder que le négatif. On va enlever le négatif et prendre que le positif. Fais un reset. Voilà, fais un reset et puis. Voilà. Alors que Séverine dit, moi, je suis trop douce. Alors, l'extrême inverse n'est pas bon non plus. Parce que si tu as trop de l'empathie, tu vas avoir des gens qui vont t'appeler jusqu'à 22h, 23h, mais en fait, ils vont faire juste, ils vont venir se décharger sur toi. Il faut commercial, il faut créer un lien, mais en même temps, il faut garder dans l'esprit qu'à un moment donné, je sais que les gens n'aiment pas cette expression, mais c'est l'expression des commerciaux, il va falloir que tu le mordes à un moment donné pour qu'il soit dans le sens où tu veux, où tu veux qu'il aille, en fait, hein, que ce soit dans la négociation de prix, dans le mandat, etc. Il va à un moment donné, ils ont besoin d'un coup de un coup de pression. C'est ça, en fait, un commercial, il est là pour me faire bouger de mes lignes. Un bon commercial, je ne sais pas si tu as remarqué, des fois, les commerciaux, des choses que tu n'avais pas vraiment prévu d'acheter, une voiture, peu importe, etc. Et le mec, il t'a amené à l'achat. Il t'a amené à l'achat, pourquoi? C'est pas parce que la voiture est devenue plus belle au fur et à mesure de la conversation. C'est qu'il t'a rassuré. Il t'a mis dans un wagon. Où il t'a dit, mais en fait, là, il peut rien m'arriver, en fait. Il est en train de me. Mais je suis comme ça. Après, je suis comme ça, mais avec les clients, pas du tout. Je suis carrément l'opposé. Il y a une ancienne collègue où j'ai dû faire un partage de mandat avec elle, et c'était la première fois depuis longtemps qu'elle avait fait un rendez-vous avec moi. Et elle m'a dit, mais j'ai l'impression de voir une autre Anaïs sans rendez-vous. Donc j'arrive quand même à me canaliser devant les clients. Mais c'est vrai que là, ne serait-ce que rester sur ma chaise 2 minutes. Non, mais je te vois, t'es une hyperactive. Je te vois ça fait 5-10 minutes que t'es là. Je te vois, t'es. Il faut que t'arrives Mais à. parce que il faut tout quadriller pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais effectivement, Non, je mais suis. tu vois, à travers la caméra, je sens ton stress. Ben oui, je sens ton stress. Est-ce que tu crois que j'ai moins de stress que toi? Que j'ai moins de problématiques, voilà. Mais On est tous égaux, on est tous au même voilà. niveau, hein. Et Après, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui pour avancer tous ensemble, hein. moi, je me dis que je stresse ou que je stresse pas, le résultat est le même. Alors autant que je prenne le bon aspect des choses, c'est meilleur pour la santé déjà. Et puis j'aurai plus de résultats en étant posé, clairement. Tu vois? Voilà, Anaïs. Bon courage. Top, merci à tous. Merci, Merci. merci, bisous. Michel, si tu es là, ou si tu as ton micro. Michel? Michel? Je ne sais pas si tu as décoché ton micro, mais en tout cas, on ne t'entend pas. Tu peux remettre ton micro, ou si tu es derrière l'écran, je ne sais pas. Bref, si vous avez d'autres personnes veulent venir partager, mais même leurs échecs. Hein, là, on a eu Rudy qui est très bien, Anaïs qui a une problématique, Muriel qui était voilà, qui a eu deux résultats déjà, et on commence toujours par deux. Hein, et voilà. Et donc, il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas de jugement. Tout le monde est là pour être au même niveau, c'est-à-dire partager, échanger, et puis se servir tout le monde pour essayer de s'améliorer personnellement, quoi, tout simplement. Est-ce que tu m'entends, Christophe? Eh oui, je t'entends avec l'accent encore. Ouais, parce que j'ai beau décocher, mais bon, un coup Là, je ça marche, un t'entends. coup ça marche pas. Là, on t'entend, hein, c'est bon. Bon, super. Alors, moi, je t'avoue que là, je suis complètement perdu, parce que nous, on est un peu lobbyistes, on est quelques-uns à utiliser dans le secteur le truc. Et comme là, on n'est plus sur le data. Moi, j'avais une simple question, parce que j'essaye de travailler sur la localisation, le data. Et quand je repère les biens, j'arrive à les mettre, comme tu as pu faire toi sur ta carte, sauf que moi, les petites cases, elles sont toutes jaunes. Donc quand je vais sur ma prospection, je ne sais pas quel est le mandat simple, quel est le mandat exclusif ou autre. Est-ce qu'il y a une façon de faire? Ah oui, bien sûr. Après, si on arrive tous, normalement, c'est parce que tu as loupé une étape.
Est-ce que tu as regardé déjà la vidéo qui est ici? Ouais, je l'ai regardé, ouais. Alors, en fait, c'est assez simple. Mais je suis pas une férue d'informatique, c'est pour ça que... Non, mais regarde, c'est simple. Si tu veux, je prends l'exemple d'un DPE, par exemple, peu importe. Ici, je te fais juste une démo, hein, c'est pas, voilà. vas-y. Je repère un bien, là, ici, celui-là, il m'intéresse. Okay. Il a fait un DPE, ce que tu veux. Donc, je vais le mettre en favori, c'est ça ta question. Moi, c'est pas du DPE que je pars, hein. Mais peu importe, Moi, c'est ça cantonnier. marche. Ça marche pour tout, hein. Je te montre une annonce, si tu veux, ça marche pour tout, hein. C'est la même méthode pour tout, que ce soit DPE, annonce, ce que tu veux, c'est exactement, quand tu mets en favori, c'est la même procédure pour tout. Voilà. Il n'y a pas une procédure pour le DPE, pour les annonces, c'est tout pareil. Clairement, je vais te montrer par exemple, je sais pas, moi n'importe, peu importe, je ne vais pas aller faire de la recherche. Donc là, je vais sur une annonce, par exemple, je mets la ville pour la repérer de façon rapidement. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est celle-là, mais je te montre. Hein. Donc un terrain nom. Donc après, je fais défiler les options. Je dis que c'est cette maison. Bon, je ne suis pas sûr, hein, mais bon, j'en sais un quoi que. Elle est pas mal celle-là. Bref. Je dis celle-là, c'est ma maison. D'accord? OK. Donc ici, ta favori. Je clique sur favori. Et là, tu choisis ta couleur. OK. Prospection, Bon. exclu, mandat. Super. Et tu sauvegardes. OK? OK. Ouais, c'est pas. Alors, par contre, Non, non, c'est les nickel. intitulés, moi j'ai dit à Olivier, donc pour l'instant il change pas. Moi je me fais mon propre truc à moi, je me ferai mon propre délire. Là j'ai dit que par exemple c'était les particuliers. Là je dis que c'est les biens en DPE qui sont pas en annonce. Là je dis que c'est les simples. Là je dis que c'est les exclus. Et après mes mandats, je peux, voilà, vendu. Tu te mets la légende que tu veux en fait. Ils ont mis un truc de D'accord. base. Tout basé sur la prospection. Moi, j'aime bien mettre mandat simple, DPE non diffusé, particulier et mes mandats. Voilà, c'est mon délire. Mais le but, si tu veux, c'est après que toi, en solo ou en équipe, tu as la même information pour savoir ce que c'est. Ouais, tout à fait. Voilà. Super. Eh bien, écoute, tu m'as bien renseigné. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce qu'il y a une autre personne qui va intervenir? Allez-y, profitez, c'est gratuit. Alors, j'ai envoyé la main, normalement. Noël, normalement, tu as le. Je t'ai envoyé, il faut que tu actionnes, tu acceptes, dans un premier temps. Et après, tu es sur le live. Oh, on a encore 74 personnes, c'est bien. Ouais, je suis d'accord qu'on. Moi, j'aimerais bien qu'on change la légende aussi. Je suis d'accord avec toi, Séverine. Mais apparemment, c'est compliqué dans le sens. Bah, redemande. Voilà, bah, ça y est, on te voit, Noël. Je vais redemander à Séverine, demander en masse à Olivier, parce qu'apparemment, pour eux, ça leur pose des problèmes au niveau de la structure. Parce que le problème, c'est quand tu changes. Si vous voulez, il faut comprendre que. Comment dire, le cadastre.com n'est pas que pour Safety, d'accord? C'est une base qui est énorme derrière, il y a à peu près 100 demandes par jour. Donc il y a même aujourd'hui, il me disait qu'il y a tous les DPE qui ont demandé des abonnements, de plus en plus, d'organismes de DPE. On a cherché la raison, mais en fait elle est assez simple, c'est-à-dire qu'ils vont aller prospecter de tous les FG proposés de l'audit énergétique. J'ai dit, mais pourquoi ils vont? Je dis, bah c'est facile. Une fois qu'ils ont les mecs qui ont fait des F ou G, ils vont aller tous démarcher les maisons qui ont fait F ou G pour proposer, si tu veux, de vendre les audits énergétiques. Voilà. Ils vont faire de la prospection comme nous. Donc ouais, j'aimerais bien changer la légende, sauf que quand tu changes la légende de la base que tu vois, ça change la légende de tout le monde. C'est-à-dire que derrière, je ne sais plus combien de milliers de personnes utilisent cadas.com, c'est-à-dire que nous, on a ce désir-là. Et tu ne peux pas l'avoir que pour Safety, ça veut dire qu'on change toute la base. Et ça crée un gros mouvement. C'est pour ça que
c'est assez compliqué pour eux de changer les intitulés parce que ça veut dire que tu bouleverses tout leur système dans tous les réseaux. Voilà. Dans tous les réseaux, agences, parce qu'il y a beaucoup d'agences vitrées aussi, hein. Il y a beaucoup de personnes qui sont des agences vitrées classiques, énormément qui utilisent. Alors, une agence, c'est 5, 6 commerciaux derrière, quoi. Tu vois? Mais pouvoir juste personnaliser les titres. Oui, mais personnaliser, c'est pareil. De fait, tu vas changer le. Enfin, je sais pas, je vais demander encore, j'en sais rien. Mais bon, j'aimerais bien aussi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour l'instant. Essayez de lui pousser, essayez de lui envoyer des infos. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont craquer. Donc, aidez-moi, aidez-moi. Salut Noël, comment tu vas? Salut Christophe, ça va et toi? Ben ça va, écoute. Donc, salut à tout le monde. Je me posais une question sur le. Parce qu'effectivement, c'est super pratique de pouvoir proposer à des clients donc, qui nous appellent sur un de nos biens et ensuite ça ne marche pas, on essaie de lui proposer autre chose. Donc, j'ai bien retenu ce que tu as dit et ça, c'est top. Est-ce que les collègues, c'est-à-dire, moi, j'essaye de le centrer, donc vraiment, là, j'ai centré mes recherches, j'ai trouvé une vingtaine de biens à peu près sur Flyos, on va voir. Et est-ce qu'on pourrait. Imaginez que les collègues aux environs, c'est-à-dire que nous, on a Draguignan qui est la plus grosse ville, je vois qu'il y a Isa Lacour qui est sur Salerne, donc qui est quasiment attenant à Flyosk. Est-ce qu'on pourrait imaginer que chacun qui fait son secteur, donc admettons moi Flyosk, Isa fait Salerne, Cathy fait l'Orque, ces trois villages qui se succèdent, est-ce qu'on pourrait imaginer de fusionner nos recherches pour qu'on puisse proposer. Si j'ai pas le truc sur Flyosk, mais qu'il est sur l'orgue ou Salerne, ça peut des fois matcher. Est-ce que ça serait En fait, envisageable? ce que tu demandes, en fait, globalement, c'est comment dire, un cadastre.com de team. Pour Ouais, à avoir. la limite, ouais. En fait, tu l'as, quand tu te déconnectes, si je vais sur créer un compte, alors, il faut que tu mets tes emails, etc. Mais à un moment donné, il va te demander j'ai déjà un compte. Alors, attends. Est-ce que un compte et un utilisateur? Je sais que tu as une option à un moment donné où tu peux mettre pour un groupe. Quand tu vas commencer à rentrer dans l'option payante, tu as une option où tu peux créer un groupe. Je ne sais pas si je peux l'avoir ici. Je vais voir. Voilà, c'est là, pardon. À mon équipe, ajouter un membre de mon équipe. Tu vois? D'accord. Ajouter un membre de mon Et équipe. donc, il y aura un accès partagé sur les bases de données de chacun. Exactement. D'accord. Ici, c'est un peu ton dashboard, ton tableau de bord. Et là, moi, j'ai mis aucun membre, mais si je veux, je peux rajouter un membre de mon équipe. Donc là, par contre, là, il me demande une option payante. Parce que moi, là, pour l'instant, sur cet abonnement, là, je ne suis pas payant. Mais globalement, tu peux, quand tu as une option payante, tu peux rajouter un membre de ton équipe qui, lui, pour le coup, à mon avis, doit être sur une option payante aussi, hein, à mon sens. Ouais. Tu vois? Ok. Et Donc voilà. donc on le limite à deux, ça, c'est ça. Moi, je parle surtout pour avoir la cartographie des biens qu'on a chacun repérés sur nos secteurs. De fait, tu vas avoir la cartographie commune. Parce que c'est l'idée d'avoir une team, si tu veux. L'idée, c'est de partager globalement. Globalement, c'est. Attends, j'ai des messages en même temps. Mais tu vas de fait avoir la carte. En fait, c'est l'intérêt, c'est celui-ci. C'est d'avoir, si tu veux, la cartographie de tes filleuls. Et effectivement, je pense que l'avenir est globalement mieux dans ce sens-là. Où, comme disait Rudy, eh ben, tu as 10 filleuls. Eh ben, 10 filleuls ont repéré chacun, je dis n'importe quoi, Ah, 10 c'est ça. biens. Et donc, tu as une cartographie de 100 biens repérés. En fait, comme on dit, à plusieurs, on va plus loin, mais ça fonctionne là aussi. C'est-à-dire que là, tu repères 20 biens, super. Mais toi, si tu repères 20 biens et tu as 3 filleuls qui repèrent 20 biens, de 20 biens, tu passes à 80 mandats avec à 80 biens plus les 60 des autres. C'est l'idée, hein. C'est ça. Donc l'idée, c'est encore en OK. fait, globalement, c'est de servir d'un réseau, parce qu'on peut travailler en solo, ben, on a des résultats de solo, mais globalement,
Si tu mets ton équipe en action, bah, tu as une équipe qui travaille pour 4, 5, 6 personnes, sous réserve qu'elle bosse derrière, quoi. Voilà, c'est toujours pareil. Mais si elle met leur force en action, globalement, tu vas multiplier les gains, mais c'est ça en fait, hein, c'est l'idée. Encore une fois, si on fait partie d'un réseau et qu'on travaille tout seul, c'est dommage. Moi, C'est ça. je vois pas l'intérêt. Si on est dans un réseau, c'est qu'on veut, globalement, on croit une collectivité possible dans le travail. Si on est dans le réseau, et encore une fois, je le redis, si c'est pour mettre une annonce super, j'ai vendu, je suis plus fort du monde, regardez comme je suis beau, merci de me mettre des likes, oui, bon, bah, achète-toi un miroir, et puis ça suffit, pas besoin de plus, hein. Non, mais c'est vrai, C'est vrai. s'il y en a qui prennent un réseau parce qu'ils ont des problèmes pour s'affirmer dans la vie et puis qu'ils ont besoin de l'intérêt des autres, bah, il y a des psys pour ça, c'est remboursé par la Sécu, hein. Donc, voilà, donc moi, un réseau, c'est pour s'entraider. Et si je montre que j'ai une réussite, c'est pour leur dire, toi aussi, tu peux réussir, je peux t'aider. Voilà, je vois pas l'intérêt sinon. Bon, mais super. Bon, mais super, merci Christophe et encore un grand merci pour tout ce que tu mets en place pour nous. Pas de C'est vraiment souci. top. Bah, c'est ensemble, là, vous... ça m'aide aussi, hein, ne croyez pas. Hein. Croyez pas Ouais. que ça ne m'aide pas et ça me booste pas. Au contraire, ça me permet d'avancer aussi. Voilà, donc ça me sert aussi. Merci à vous. Super. Si. Christophe, si tu mets ton micro, je vais inviter Rebecca aussi, mais essayez de parler un à la fois. Christophe, tu m'entends? Faut que tu décoches ton micro. Ouais, tu m'entends? Ouais, nickel. Ouais, bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous et à toutes. Bonjour. Alors, si j'ai bien compris la précédente intervention, c'était Noël. On peut créer, parce que je dois présenter cadastre.com à l'équipe avec qui je travaille, Ouais. en Charente-Maritime. On peut être à plusieurs ou que deux. Non, non, tu peux mettre autant de personnes que tu veux. Ouais, donc Confirme on serait. avec Olivier, mais comme je te l'ai montré tout à l'heure, ici, si tu vas dans mon compte, tu peux Ouais. ajouter des membres. Donc, si tu ajoutes des membres, bah, c'est pour que tu aies une synchro avec les autres. Tu Et vois? puis en même temps, bah, je dois faire, on doit faire, je dois représenter justement cadastre.com quoi. Voilà, donc Donc le but l'idée, est qu'il. et à mon sens, pour moi, hein, l'idée de cadastre.com, c'est que justement, ça a été mis en application pour les réseaux. Et les réseaux, plus tu vas mettre des gens à l'intérieur, plus tu as des gens qui vont travailler aussi quelque part pour toi parce qu'ils vont faire de la recherche de data. Et l'idée, après, c'est d'interchanger à travers cadastre.com, tel mandat, j'ai fait telle visite parce que, bon, là, ce n'est pas pour tout de suite, mais ils vont faire une sorte de un CRM. C'est on va avoir une fusion de comment dire de d'acquéreurs qui va être paramétré donc voilà mais l'idée c'est justement d'englober toute la data sur une personne mais multipliée par 5, 10, 15 et ben là à ce moment-là encore une fois hein, je reprends l'exemple que je disais à Rudy ou non c'est oui je sais plus. Bah toi, tu retrouves 20 biens en data, c'est très bien. Et tu as trois fioles qui ont trouvé 20 biens aussi, ça t'en fait 80, quoi. Après, l'idée, encore une fois, c'est pas forcément parce que de faire de la prospection dessus. Ça peut être voilà, ça peut être pour des nouveaux fioles d'offrir, par exemple, bah, je t'offre bah, ici tout le réseau, tu peux, voilà, tu as tous ces vendeurs à les démarcher, ça peut être ça. Ça peut être d'aller frapper aux portes et ça peut être aussi. Eh ben, j'ai un super client qui doit acheter dans le mois. Il a 250 000 euros. Il faut absolument qu'il se loge. Moi, j'ai qu'un mandat à lui proposer, malheureusement. Ben là, non, j'ai pas qu'un mandat. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 mandats où je peux l'amener sur des ventes. Voilà. Donc, indifférent, je mets même ensuite les DPE et j'ai plus de limite, quoi. Donc, d'un mandat, tu passes à 11 mandats. C'est surtout ça, moi je vois surtout ça l'intérêt, c'est ça. Hein. C'est-à-dire que les autres, ils ont déjà travaillé pour toi, en fait. Tous ces mandats-là, Ouais, ils sont déjà travaillés, les mecs ont déjà travaillé pour toi, en fait, hein, globalement. Bon, après, moi, j'ai pas de filleul parce que ben, je viens juste de commencer, mais
C'est plus travailler en équipe, quoi. Oui, après, C'est la même chose, hein. si tu connais déjà des équipes qui sont en place, tu peux Oui. proposer de rentrer à l'intérieur et de partir dans ce schéma-là. Ouais, tout à fait. Ça peut C'est un être, peu ce que je veux faire. voilà, ça peut être une source d'entrée qui est pas mal. Et leur dire, voilà, si on mettait notre force en commun, voilà, je vous présente l'outil, comment il fonctionne, comment on peut, etc., etc. Si tu as besoin d'une présentation, il y a Olivier ou moi, on peut essayer d'aider, hein, il n'y a pas de problème. Ok, bah normalement je dois présenter ça le mois prochain, au début du mois prochain. Ok, bah, pas de souci. Si tu as besoin d'aide, tu me mets au Voilà. courant, pas de problème. Ouais, bah super. Bah, merci beaucoup Christophe. Et puis bah, je verrai ça, je reviendrai. Et sinon, bah, pour la data, pour la prospection, bon la data, j'ai regardé. J'ai 34 biens en prospection. Malheureusement, c'est que de la loc. Une 34, bonne partie, c'est que de la que de la location. loc? Comment? Sur 34, c'est que de la loc? Non, 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 j'ai sur 34, j'ai 17 locations. Ouais, t'as quand même un ratio qui est assez grand. Ouais. 50%. Mais en fait, t'as quand même encore 17 biens. Ah, c'est beaucoup quand même, Ouais, hein, sur mais des ça... locaux. Alors, ce que t'as Bon, dû bah, faire, il c'est m'en des reste barres. deux. T'as dû faire des barres d'immeubles, non? Non, pas forcément. C'est de la maison également. Ah ouais. Et dans quel Ouais. secteur? Sainte en Charente-Maritime. Ah, t'as un bon taux de location quand même. Enfin bon, écoute. Après, bah Oui. voilà, tu multiplies, il faut. Voilà, t'as compris le truc, quoi, c'est de multiplier Ben les. après, je fais toute la rue en fait, hein. Je me cale pas qu'à la maison, hein. C'est ça. Bon bah écoute, bon courage à toi, hein, Christophe. Hein. Et puis Merci beaucoup en tout cas pour tout ce On que va tu mettre les fais et tout courriers, ce que vous faites. on va mettre les courriers globalement des Angélique, de Rudy, sauf qu'on réussit à Oui. avoir des résultats sur le terrain, parce que les courriers sont importants. Je ferai une session là-dessus. Donc ouais, on va enchaîner. La deuxième semaine, là, on va refaire des ateliers. Je verrai avec Olivier si on ne peut pas faire des ateliers dans la semaine sur la salle de conférence. Globalement, si on peut faire des ateliers pour ceux qui n'arrivent pas encore à faire de la data. Là, globalement, ce qui était bien ce matin, c'est qu'on a vu l'expérience de tout le monde sur le terrain. En règle générale, le terrain, salut Olivier, en règle générale, sur le terrain, c'est soyez commercial. Ne parlez pas d'immobilier, ne parlez pas de mandat, ne parlez pas de DPE. Créez un lien avec l'autre. Il faut que vous créez un lien. L'idée des courriers, c'est pas mal dans le sens personnaliser la lettre. C'est pas à l'intention de Christophe Calvino. Je vais ouvrir la lettre. Bonjour Monsieur Calvino, vous vendez déjà votre maison depuis 2 mois. Ah ouais, ça m'intéresse parce que le mec il s'adresse à moi. C'est pas un courrier lambda comme Carrefour, machin, ce que tu veux. Et je vais lire la lettre. Et même si je ne donne pas suite derrière, je passe 2, 3 jours après. Bonjour Monsieur Nicolas, vous avez reçu mon courrier? Oui, d'ailleurs, voilà. Et tu personnalises et tu crées déjà un lien, c'est-à-dire que créer un lien, c'est personnaliser le contact. C'est-à-dire de s'adresser à la personne. Comme dit Marc, j'aime bien son expression quand il dit, quand vous voyez un vendeur, imaginez qu'il y a un panneau au-dessus de sa tête qui dit, parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui m'intéresse. Parlez de lui. C'est ça. Lui, sa maison, lui, sa maison. Et laissez-le parler, laissez-le se découvrir. Plus un client parle, plus il est en train de prendre confiance. Si vous voyez qu'il ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas créé encore. Essayez de trouver les failles. D'ailleurs, c'est le côté excitant du commercial, c'est de trouver le bon. Moi, j'ai toujours cette image de Camelot. J'allais voir les Camelots qui étaient à Carrefour ou dans les marchés. Le mec, il vendait un presse-citron. Il dit, je suis sûr que j'en veux pas. Je vais rester devant. Et à la fin, tu te bats parce que tu en veux quatre. Parce que le mec a un déroulé. Moi, je trouve ça magique. C'est vraiment un métier. Le mec commercial, il te met dans un coco. Alors, on ne vend pas des presse-citrons, mais il te met dans. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il te met dans une bulle où tu te sens bien avec lui. Et il te crée le besoin. Le besoin de toi. J'ai besoin de lui, en fait. Tu vois? Et tu arrives chez toi avec ton presse-citron, tu n'arrives à rien faire, en fait. Il t'a roulé, tu n'arrives à D'ailleurs, rien faire. c'est un bon mot, ça, hein. Ça, c'est un super nom, hein.
ce que tu as dit. De quoi? Pour un site internet, besoin de toi, TOIT. Non, mais ça, c'est des trucs de rencontre, ça. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est non, super. Mais TOIT, le toit, toi, le toit, ça peut être un super nom pour un site. Ah oui, toi, d'accord. Oui, oui, c'est vrai. Oui, oui. Besoin de toi, tu vois. Où on référence les agents immobiliers, on met en contact les agents immobiliers, les vendeurs et les acquéreurs, tu vois, besoin de toi, TOIT, tu vois. J'ai besoin de toi. Oui, c'est vrai. C'est pas... J'arrive, je dis de la merde. Besoin de toi, envie de moi. Bon. Ben, c'est ça. Ça va enchaîner sur des trucs un peu bizarres. Bon, Christophe, non, bon courage. Ben, merci beaucoup. Et puis, vous aussi, encore un grand merci. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Rebecca, tu veux dire un petit mot, Olivier? Moi, bah, je dis... Fabienne, elle a dit j'adore. Merci, Fabienne. Elle aime mon humour. Moi, un petit mot, bah, j'ai pas pu suivre là ce matin. J'étais en visio avec la tech, avec mes associés, les développeurs. On fait des trucs bien là en ce moment. On vous donnera... J'ai tout dit. On vous donnera... Non, mais non, t'as pas pu tout dire. J'aurais rien dit. Non, on essaye de faire la, tu sais, tout ce qui est succession au niveau de la data. Ouais. Donc là, on est dans un outil prédictif, on arrive à prédire. Je rigole. Les décès. Ouais. T'arrives pas à rester sérieux, tu te dis. Mais... Hein, t'arrives pas. Ah, mais le matin, je t'ai dit, le matin, je suis un boucan, moi. Faut pas faire des oreilles avec moi le matin. Bon, je m'appelle Rebecca, la pauvre attend. Rebecca, ça va Rebecca? Tu peux mettre ton micro. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais vous poser une question. En fait, quand je fais une recherche pour localiser un bien, et qu'entre-temps, quand j'ouvre le point, en fait, je vois que des DPE, par exemple, ont été récents. Oui. Et du coup, c'est intéressant, mais je ne peux pas l'enregistrer parce que ça se fusionne avec la maison que je suis en train de chercher. Donc, comment on peut faire pour quand même mémoriser, par exemple, un DPE ou je ne sais pas si je suis claire, ou une maison qui est quand même intéressante. Mais qui n'est pas en annonce. Cette recherche de localisation. Voilà. Tu veux mémoriser un bien, une parcelle, et qui n'est pas forcément suite à une annonce, mais que tu veux référencer, par exemple, c'est ça? Voilà. D'accord. Oui, je le mets en blanc. Alors, tu choisis la couleur que tu as envie, hein, mais l'idée de pour enregistrer, c'est ce que j'ai montré hier dans la vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, là, non. Je vais... Ouais? Non, mais vas-y. Pardon, je t'ai coupé. Alors... Si tu vas, je sais pas, je dis n'importe quoi, tu vas sur cadastre, tu vas ici, tu dis, voilà, tu vas ici sur un lotissement, par exemple. Tu mets ici Google, rappelez-vous qu'il y a toujours pour mettre la section qui est ici, d'accord? Et tu dis, pour une raison X ou Y, cette maison, elle n'est pas en annonce, mais tu vois, là, par exemple, j'ai un DPE, j'ai démarché la maison, elle m'intéresse, etc. Et tu veux la mettre en favori, c'est ça? Oui. Eh bien, une fois que tu as cliqué sur la... Avant toute action de favori, il faut cliquer la parcelle. Pour cliquer sur la parcelle, il faut déjà mettre les parcelles, l'outil Google qui est ici. Donc, vous centrez le cercle vers le secteur que vous voulez enregistrer. Donc, on appuie ici sur Google. Le fait d'appuyer sur Google, c'est qu'il va vous mettre les parcelles en évidence. Ensuite, vous cliquez sur la parcelle. Alors, quand je n'ai pas cliqué, il y a cette fenêtre. Vous cliquez sur la parcelle. La fenêtre s'ouvre, donc pour avoir les informations de la parcelle, donc là c'est les informations Google, là pour le coup on a un DPE qui a été fait en 2022, bref. Et là tu dis, globalement je veux la mettre en favori, tu appuies sur ajouter un favori, tu choisis la couleur qui t'intéresse, ici, n'importe quoi jaune, tu la mets là, et une fois que tu as mis cette couleur ici, elle est dans ta case prospection. Donc ensuite, tu peux mettre encore des choses. C'est-à-dire que là, on l'a mis en favori, c'est très bien. Tu peux mettre des notes ici. J'ai boité, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu peux renseigner les contacts ici de ton contact. Et tu peux rajouter tout ce que tu veux ici. Je mets n'importe quoi, blablabla.
ce que tu as eu comme conversation. Tu peux même faire des enregistrements vocaux ici et tu vas alimenter en fait cette fenêtre, cette parcelle-là que je vais retrouver ici globalement sur ma ma case prospection. Voilà, tu vois. Là, il n'y a rien parce que j'ai un marqué en prix, mais je vais avoir sur ma case prospection ma nouvelle donnée qui est ici. C'est ce que tu demandais, Rebecca ? Oui, en fait, ça, je sais le faire. Donc, c'est pas mais ça que tu demandais. Quand on fait une recherche d'un bien où il est localisé, et quand tu as plusieurs biens, tu sais pas lequel encore il est. C'est lui en fait que tu cherches au départ. Ouais. Et dans ta recherche, tu retrouves des DPE qui sont récentes, donc je voudrais les enregistrer. Mais si je fais le favori, en fait, c'est comme si j'avais trouvé la maison. Ah oui, d'accord. Parce que tu pars sur déjà une recherche. Oui, non, mais voilà. C'est parce que tu pars déjà sur une recherche par rapport à une annonce. Oui, voilà, mais sauf que c'est des DPE qu'entre-temps, sur le chemin, j'ai retrouvé. J'ai compris. Je ne peux pas l'enregistrer j'ai compris. Parce que ça, c'est fou. J'ai compris. Avec la première recherche, ma recherche du départ. Et aussi, il y a autre chose que j'ai réalisé, c'est qu'à un moment donné, tu as bien similaire. Donc, tu ouvres et il y a des biens qui t'intéressent, mais tu ne peux pas les enregistrer parce que ça se fusionne avec ta recherche de départ. Alors, deux choses. J'ai compris. Tu pars sur une recherche d'annonce ici, d'accord ? C'est ça, tu es là, tu veux chercher cette maison, tu cliques ici. Voilà, tu recherches cette maison. Je dis n'importe quoi. C'est pas celle-là, mais tu repères une qui a un DPE, par exemple, qui t'intéresse, c'est ça. Mais par contre, si j'appuie là-dessus, ça va m'enregistrer par rapport à cette maison, c'est ça. Oui. D'accord. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est tout simplement, tu prends l'adresse qui est ici, fais copier. Oui. Tu vas dans DPE, tu remets ton adresse, ici, et tu reviens dessus, donc sur ta parcelle. Et là, pour le coup, ça ne sera pas linké avec ton annonce. Ah, d'accord. Tu vois ? C'était ta question ? D'accord. Et du coup, si j'ai un bien similaire, je fais la même chose. Voilà. Si tu as un bien similaire et que tu as l'adresse, tu peux... Oui, bien sûr. Il faut que tu sortes... Ah, que ça quand tu pars... Voilà. Quand tu pars de l'annonce, en fait, tu as en fait, un déroulé qui part pour l'annonce. Donc, si tu as repéré en même temps que tu cherches une annonce, une autre parcelle qui peut t'intéresser, bah, tu prends l'adresse de la parcelle et après tu revas sur l'outil DPE, cadastre, peu importe, tu remets cette adresse et après tu peux l'enregistrer indépendamment de l'annonce. Super, merci beaucoup. Je t'en prie, Rebecca. Bon courage. Merci. Il y a Angélique. Il y a eu des questions ce matin. Il y a plein de questions. Non, mais j'ai regardé un peu la conversation là. Où il y avait. Ça séchait un peu sur les réponses ou pas ? Non, globalement, c'était. On a fait beaucoup de retour terrain. Ok. On a fait beaucoup de retour terrain. Rudy, il a fait 89 data. Il a réussi à faire 89 data. Et là, maintenant, l'idée, c'est de transformer tout ça. Ok. Donc voilà. Les méthodes de prospection porte à porte, vous avez parlé de ça ou pas ? Oui, beaucoup. Alors, en fait, c'est dire ce que tu disais tout à l'heure quand je suis arrivé, c'est faut pas demander le mandat, faut pas parler mandat, voilà, faut pas faire le ramant. Voilà, on a parlé plus commercial. On a parlé aussi de courrier. Rudy va nous mettre ses courriers qui ont fonctionné. C'est-à-dire que si les personnes ne sont pas là quand on va frapper à la porte, on fait un courrier personnalisé, plus ou moins, et on repasse derrière. Donc, il y a des trames de courrier qui vont être mis en... Je vais faire une section exprès dans le Discord où il y aura marqué... Est-ce que tu veux que j'implante des courriers dans le site ? Tu vois, on fait un onglet courrier où il y a plein de courriers qui sont auto-générés. Ils sont automatiquement pré-remplis avec certains trucs. Quand tu es sur le cadastre, quand tu es sur DPE, quand tu es... Oui, on peut essayer. Par rapport à ça. On peut faire ça.
Mais on peut aussi. Je dis ça, c'est pour les feignants. Ouais, non, mais les feignants, il faut qu'ils remplissent un minimum. Parce que si tu fais un courrier type, ça ne marchera pas forcément. Il faut qu'on personnalise le courrier. Parce que l'idée de faire de la data personnalisée comme ça, c'est-à-dire que Oui, c'est de créer. C'est ça. Non, mais on est d'accord. Hein. Mais moi, je veux pas du chat GPT, un truc tout bidon où tu lis le courrier, ça t'endort. Hein. Voilà, il faut Je que veux un quand bon même. truc, un bon Bonjour, courrier. bonjour, monsieur Nicolas. Votre maison est en vente depuis 2 mois et que, en fait, ce que je te dis là, bah, c'est des infos que tu as. Tu dis, bah, le mec, il s'adresse pas au peuple, il s'adresse à moi. Tu vois? Donc, on peut avoir un courrier En type. On peut fait avoir un. des idées. C'est du copywriting. Hein. Le copywriting, c'est là pour quand tu le lis, ça rentre dans la tête de quelqu'un. Voilà. On peut Donc, avoir. comme elle dit, là, il y a une dame là, qui, une dame, une madame qui parlait. Ouais, des phrases. S'il peut y avoir des phrases d'accroche pour tel type de cas, tel type de courrier, tel type de courrier, déjà, ça nous permet de construire, de broder autour après. Voilà, donc d'avoir un courrier type avec des phrases, des punchlines, comme on dit, et après de mettre Ouais. les noms qui vont bien. Mmh. Angélique, tu peux revenir, t'es reparti. Il fait peur, Olivier? Ouais, je suis chiant. Elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit tu casses ta tête. Elle m'a dit je me casse. Je reviens quand tu es plus là. C'est ça. Tout à l'heure, j'ai vu aussi, ouais, ça fait chier qu'on puisse pas différencier les mandats Ah, il y a beaucoup, semi exclus exclus. il y a beaucoup de retours. Moi, j'essaie de défendre votre beefsteak sur les intitulés. Parce que c'est vrai que, Ouais, comme je... j'ai expliqué que c'était une base de données qui était commune à tout le monde, mais par contre, c'est vrai qu'ils ne sont pas adaptés, à mon sens, à ce qu'on voit sur le terrain. Il faudrait, est-ce que c'est possible, de façon en développement, que bah, il y a cette base pour tout le monde et que personnellement, on puisse changer les intitulés. Dans quoi, dans quoi, dans quoi? Ça, là, Dans les annonces? ça, estimation en cours, pas encore prospecté. Ah, mais ça, mais... attends, je finis l'estimation et après on se met là-dessus. Bah, il y a Gauthier, il est dessus, là, sur tout ça, là. Parce que j'ai Il veut faire un énorme, truc de fou. et moi le premier, hein. Moi le premier, moi le Intitulé, intitulé, tableau de bord groupe, code couleur. voilà, code couleur, On va le refaire, ça, c'est vieux, ça a 3 ans, ça. Voilà, c'est pour ça que ça ne correspond plus. Moi, je me suis fait une légende qui me. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de retours. Et moi, le premier, de personnaliser son truc-là. Dis-moi si je me suis planté. On m'a demandé pour les groupes. J'ai dit que globalement, aujourd'hui, on peut, si je vais sur mon compte, aujourd'hui, d'ajouter des membres. On est d'accord ou pas? Ouais, t'ajoutes un membre. Alors, soit un bras, soit une jambe. Faut pas mettre les deux en même temps. Ah putain, mais Mais ça fait plus de 5 minutes qu'il est sérieux. Hein. non, alors ajoutez un membre, clique dessus, je vois comment c'est fait. Mais non, mais moi, j'ai pas d'option Ah ouais. payante. Ah ouais, c'est vrai. Moi, Pourquoi tu peux pas, toi? j'ai ajouté un moyen de paiement. Comment? Tu veux Ouais, voir? non, mais non, laisse, c'est mort. Ajoutez un membre, vous pouvez rajouter plusieurs personnes. Alors, faut que ce soit des comptes payants, hein, on est d'accord. Ouais. Ah bah oui, sinon c'est mal. Voilà. Non! Oui, le mec qui rajoute des membres, c'est payant, hein. C'est lui qui paye pour les autres, hein. Par contre, vous avez accès à plein de nouveaux trucs que vous n'avez pas accès si vous avez un compte unitaire. C'est-à-dire que si vous avez mis une équipe et que vous payez pour les gars de vos équipes, vos filleuls, vos ci, vos ça, déjà pour le recrutement, c'est bien parce que vous intégrez ça dans le pack, même s'il n'est pas dans Safety, bah, vous leur payez le truc. Ouais, ça, on en a Et vous leur parlé. générez. Ouais, j'ai vu, c'est pour ça que je remets une couche. Et Ah, mais t'étais là, hein. Tu espionnais, en fait. ouais. Non, j'ai lu, tu sais que je suis un grand lecteur. Mais le chat, ça sert à ça, un chat, pour revenir en arrière dans le passé. D'accord. Mais ouais, dans les options, quand tu payes pour quelqu'un, pour une équipe, etc., tu auras droit à de nouvelles options. Comme Qui vont quoi? vraiment faire la différence avec un abonnement simple. Ben, je le dis pas, ça, les découvrir, c'est un truc de fou au-dessus. Mais on a fait vraiment pour ceux qui décident à payer pour des filleuls, pour des collègues, etc., dans les trucs équipe, on a fait vraiment un truc de fou. Ceux qui le font le comprendront très rapidement. Bah Rudy, c'est On 10 a balles mis par en fait c'est 10 balles par des options en plus. c'est voilà, c'est 10 balles par filleul. On a mis des options plus à l'intérieur, mais pour aller les voir, pour savoir de quoi je parle, allez voir. Payez pour quelqu'un, une personne, vous allez voir ce que vous allez voir. Et on est d'accord que la cartographie devient commune avec celui que tu payes.
Oui, entre autres, oui. Mais on a fait plein de petits tours de magie pour rendre le travail justement super efficient. D'accord. Donc tu veux pas nous donner un des trucs? Non, je dis pas, c'est aller voir. Vas-y. C'est cadeau, c'est cadeau. Double cadeau. Vous payez pour un fiole, donc il va être content parce qu'il va recevoir un mail comme quoi vous prenez à votre charge l'abonnement. Vous pouvez le suspendre quand vous voulez, l'abonnement, c'est pas, il n'y a pas de durée, hein, c'est limité. Et puis double cadeau, ça veut dire que vous allez voir des choses que vous ne voyez pas sur cadas.com à un seul compte. De toute manière, la seule chose qu'on sait déjà, et qui est pour moi l'une des plus importantes, c'est que vous mettez en commun les recherches de votre filleul avec votre carte. C'est Ouais, vraiment le... on n'a pas pu faire. Mais on n'a pas pu faire la gratuité. Hein, pour le... Quand tu intègres quelqu'un, il n'aura pas un mois gratuit s'il a pas déjà eu son mois gratuit. Au C'est pire, les... payant dans tous les cas. Au On pire, les n'a gars, pas réussi à faire. au pire, les gars, vous perdez 10 balles. Hein. Bon, moi, quand j'ai pris l'option du Bon Coin, je perds 100 balles par mois sur un abonnement d'un an. Ça a une autre conséquence que 10 balles par mois où tu peux le jeter le mois d'après. Hein. Donc. L'autre jour, je vais prendre une pizza, je prends une margherita. C'est pas le mec qui me dit, ouais, c'est 10 balles. Je lui dis, bah, moi aussi, c'est 10 balles un compte. Une pizza. Oh, Et je... la pizza, elle me rapporte combien? Bah, Et... rien, elle me rappelle des calories que je dois perdre après, aller courir à la salle de sport et tout. Tandis que 10 balles sur notre site, ça Ah, vous tu, rapporte ah, des mais, milliers d'euros. non, dis-moi, tu vas courir à la salle de sport? Ouais, C'est dans c'est que je me quel suis mis. film, ça, de Netflix? C'est dans quelle C'est dans mes rêves, série? ça. Attends, mais bientôt je m'y remets. Oui, Tu moi verras. aussi. Tu Angélique? sais qu'il y a encore quelques années, j'étais bien, hein, j'avais encore la peau, tu voyais les abdos. J'étais bien, hein, j'étais beau. Ma mère, elle disait, t'es beau, mon fils. Ah, bon. Mmh. Donc, Angélique, bonjour. Si t'as pas d'équipe, il faut en monter une, Fabrice Robin. C'est Bah. facile d'aller recruter des agents immobiliers là, en ce moment. Il y a plein de boîtes là, d'agences qui sont en train de mettre la clé sous la porte. C'est ce que j'expliquais Ça tout à l'heure. C'est que globalement, ça vous coûte si, de créer une équipe. Un, vous créez de la data, vous dites je te paye un abonnement avec un super outil où tu es capable de faire une présentation. Deux, je te donne déjà un data. Vous savez combien ça vaut la data déjà? Je vous dis juste, je vous ai donné la comparaison avec le Bon Coin. Ils me promettent 4 contacts qualifiés par mois. Pour 99 balles par mois. Ça veut dire que le contact, il me vaut combien? Faites la comparaison. Moi, 20, envoie-moi 25 100 balles. balles par mois, je t'envoie 4 bons contacts. Hein. Tous les mois, c'est 25, moi qui ça te veut dire envoie. que globalement, pour 400 balles par mois hors taxes, il me donne 4 contacts. Là, le mec, tu lui payes un abonnement et tu lui donnes 15 mandats et en plus, c'est gratuit. Imagine la comparaison commercialement parlant. C'est-à-dire que si vous Angélique, mettez. Angélique, quoi? elle veut prendre la parole. Bah, Allez. j'essaie de lui donner depuis tout à l'heure, mais décroche. Et il y a Laurine, elle dit qu'est-ce qui peut expliquer qu'on ne trouve pas une maison? Envoie le lien dans le chat de la baraque que tu cherches et tu vas voir si on ne peut pas la trouver. Moi, je vais te la trouver. Bon, mais Envoie ça. le lien. Non, mais ça, Olivier, on va faire des ateliers. Moi, j'aimerais pas perdre le fil là maintenant. Vas-y. On va. Et c'est important. Dis-moi, toi, des dispos que tu as, Olivier. Ça coupe, ça coupe, ça coupe. Bah, je ne sais pas ce que tu fais, Angélique, mais ça marche pas. Si tu es d'accord, cette semaine, Olivier, est-ce qu'on peut faire des ateliers pour ceux qui n'ont pas réussi à faire de la Ouais. data? OK? Donc, on va faire des annonces. Laurine, on va voir combien il peut en prendre par session. Moi, j'en prends plein, moi. Et combien tu peux faire de sessions? D'accord? Non, plein, moi, c'est la demande. L'idée, c'est que sur une session, vous venez avec des trucs que vous n'arrivez pas à localiser, Voilà. que vous avez au moins cherché pendant un quart d'heure. Vous venez avec les liens, c'est pas vous les cherchez, vous les mettez en cœur dans le site. Et vous les envoyez, moi je vous les cherche et je vous explique comment moi je pense pour pouvoir les trouver. OK. Vous allez connaître mon esprit. Bah, on vient sur le Discord, là, tu viens sur la salle de conférence, c'est nickel, non? On est d'accord? Moi je viens où tu veux, moi, tu sais. Bon, alors sur le Discord. Eh ben, on fera ça. Je vais annoncer des dates, Olivier. Tu me diras des dates, des horaires.
Et puis, je mettrai ça sur le groupe. Et comme ça, tu... Moi, c'est quand vous voulez, ça, de créer les salons. Vous créez les salons, vous êtes une dizaine, vingtaine, trentaine, cinquantaine, centaine. Vous me le faites communiquer qu'il y a un salon qui est ouvert pour la recherche d'adresse, je viens. C'est à vous de créer les salons. Le Discord, non, il est là pour ça. On prend la salle de conférence, t'emmerdes pas. Hein. Ouais, moi, je vous suis, moi, les gars. On l'a fait, il y avait Fanny, je crois, qui on l'a fait cette semaine. Il y avait Fanny, et j'ai oublié... Merde, je ne me rappelle plus de l'autre personne. Ouais, tu m'as appelé, moi. Voilà, on fait comme ça, vous faites le salon, moi, vous m'appelez. Ouais, mais il faut que tu sois devant là, si tu veux, Fanny et je crois que c'était Stéphanie. Ils ont eu de la chance, on était connectés, mais il faut qu'on soit dans... Mais c'est vrai que le but du jeu aussi, globalement... c'est d'être sur le live, quoi. Vous êtes là, je suis là, on est tous sur le Discord. Tiens, Christophe, t'es là, ouais. Olivier, bah regarde, Fanny et Stéphanie, elles avaient un problème, je crois, de copropriété. Elles m'ont dit, t'es là. Et hop, dans les 5 minutes, il y a eu Olivier, moi, Fanny et Stéphanie. On s'est mis sur la salle de conf et on a réglé leur problème, quoi. Imaginez que Discord, c'est quelque chose qui est instinctif. Donc, on va faire des trucs programmés parce que on est encore dans ce schéma-là. Mais c'est pas ça. Sur ces salons, suivant les cas, on rentre vraiment dans des détails très spécifiques au niveau du numérique et de l'immobilier. Hein. Voilà. C'est que là, quand il m'a fait venir pour les trucs de copropriété, dit que je vous ai pas montré plein de nouveaux trucs. Ils vont pas très c'est vrai ou pas? Ils vont pas très répondre. Bah, non, mais toi, dis. Oui, bah bien sûr. Bah, c'est là où c'est pertinent, c'est quand il y a du détail. On rentre dans le détail des choses. C'est quand on rentre dans le détail des choses. Donc là, Fanny et Stéphanie, elles ont une réponse complètement personnalisée. Donc c'est, elles sont pas venues pour rien effectivement. Donc voilà. Donc vous pouvez soit faire en live, n'hésitez pas. Si vous mettez par exemple sur permanence ici, vous rentrez sur permanence, le salon de permanence, je l'ai créé pour ça. Alors j'ai marqué 18h, 21h, mais on s'en fout. Vous mettez votre micro, vous faites « Allô, il y a quelqu'un ?»« Allô, il y a quelqu'un ?» et tout le monde va vous entendre. Donc, ou alors, vous allez en message privé, vous dites « T'es là, t'es pas là ?» Je te dis « Olivier, il fait une session, il peut être là dans 5 minutes, 10 minutes. Bon, » c'est pas sûr, hein, mais c'est pas sûr. Là, je viens d'avoir la réponse, là. Ce que je te disais, non, tu parles pas ce matin. J'ai rien dit. Non, on parle pas. Non, on ne dit pas encore. C'est une putain de surprise. Est-ce que là, on t'entend ? Ah, Angélica ! C'est insupportable, bonjour. Bonjour. Comment, Angélique? J'ai un gros problème avec mon ordinateur, en fait. C'est horrible, je ne sais pas. J'arrive pas à mettre le micro. Pour mieux avoir. C'est l'ordinateur ou ta connexion, mais il y a un des deux, ouais, effectivement. Avec mon téléphone, c'est nickel, là, mais pas avec l'ordinateur. Donc, oui, c'est peut-être la connexion, parce que même je vous entends hachuré, c'est horrible. Ah ouais? T'habites où? Ouais. À hier. Oui, c'est Fanny. Non, aujourd'hui. C'est Fanny et Véronica, pardon. Excusez-moi pour ce. C'est pas Stéphanie. J'ai Stéphanie, c'était pour autre chose. Mais c'est Fanny et Véronica, ouais, qui sont venus dans le live. On a chopé Olivier rapidement entre deux salles de sport. Et il est venu nous faire donner des détails. Ok. Ouais, Angélique, excuse-moi, on t'écoute. Ouais, pas de souci. Alors, moi, en fait, j'ai un problème. C'est que j'ai, la semaine dernière, déjà, j'ai commencé donc à mettre des. À cliquer sur les maisons à prospecter. Ouais. Donc j'avais bien regardé sur prospection si ça avait été mis, si ça avait bien été enregistré. Donc en effet, ça avait bien marché. Bon, après, pendant 2 jours, je ne suis pas allée. Enfin, là, du coup, je regarde et j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes les maisons que j'avais. Non, tu n'as pas perdu, c'est que tu ne l'avais pas enregistré. Que j'avais mis... Tu veux que je me mette sur ton compte et je te montre là ? Tu veux que je me mette sur ton compte et je te montre ? Ouais, mais on fera après. Ouais, mais là, Olivier, c'est pas l'idée. Là, on fait un truc général. Alors, va dans ton truc prospection. Que... Toi, Christophe, non, parce va qu'en dans fait, ton... je regarde sur... Quand je regarde sur DPE, je clique dessus, je mets à prospecter et je fais sauvegarder. Et donc, je mets dans favoris. Non, regarde. Je t'explique. Va dans prospection. Non, va dans prospection. Ouais. Regarde. Et tu vois là, de base, quand tu vas te connecter, c'est annonce liée là, en haut à droite là. Il y a lié. Là, de base, c'est lié. Il faut mettre indifférent. Alors, indifférent, tu vas aller voir. En fait, c'est non lié. Il y a les trucs liés à une annonce et les trucs DPE, c'est non lié à une annonce. D'accord ? Donc, si tu veux les voir, c'est indifférent.
Ok. Regarde, par exemple, quand je clique sur non lié, c'est ce que j'ai repéré en DPE, c'est ce que je vous ai expliqué hier en vidéo. C'est-à-dire, regardez les vidéos, hein, quand même, on essaye de dégrossir les trucs. Non lié, c'est ce que j'ai repéré sur les DPE et que j'ai estimé avec DVF. Mais en fait, je suis obligé d'appuyer sur non lié parce qu'elles ne sont pas en annonce. Et c'est d'ailleurs là l'intérêt, c'est d'ailleurs c'est la meilleure des data, c'est qu'elle n'est toujours pas commercialisée, mais c'est quelque chose qui est sous-jacent à une future commercialisation. Tu comprends? C'est ça. Ok, donc, ok, très bien, pardon. Mais c'est vrai que j'ai tellement de mal à regarder sur l'ordinateur, ça coupe beaucoup, je comprends la moitié, enfin c'est un enfer. Mais appelle le service client de cadence.com, c'est Valérie, elle est super cool. Bah, après, okay. Si t'as des problèmes de connexion, ouais. C'est autre chose, Angélique, mais bon, regardez bien les vidéos quand même. Encore une mais fois. Ce que je comprends pas, c'est que les formations, tout ce que je regarde avant, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, Non, mais voilà, Angélique, juste, je reviens pour faire plaisir à Olivier, ils ont fait un super truc ici. Hein. Là. Vous allez avec les formations. Ouais. Est-ce que tu as été voir? Est-ce que tu as été voir là? Je suis allée la semaine dernière, mais je n'ai pas approfondi. Voilà. Elle bégaye, Angélique. La connexion, elle bégaye. Voilà, il n'y a pas que la connexion qui bégaye, il y a aussi Angélique. Donc, globalement, tu as toutes les réponses ici. Ok, ça roule. Hein? Alors, ceux qui veulent un tableau de bord groupe, là, il y a Sandrine, là, elle veut un tableau de bord groupe, elle n'est pas payée pour tout le monde. Merci Angélique. Donc là, pour ça, en attendant, si tu veux, alors, envoie-moi, mon adresse mail, c'est nicolas@cadas.com. D'accord? Tu m'envoies en message du mail, tu m'envoies demande tableau de bord groupe, d'accord? Et tu mets tous les emails. Et là, tout le monde va voir la prospection de tout le monde, d'accord? Donc, tu m'envoies tous les emails et si tu me le fais, moi, je te le fais à la mano. Tu n'as pas besoin de payer pour tout le monde. Mais là, tout le monde va voir la prospection pour tout le monde. Donc, faites sûr que ce que vous faites sûr de ce que vous faites, parce que faut que tout le monde joue le jeu. Moi, j'ai eu déjà des gros tableaux de bord groupe avec 50 personnes. Il y en a qui profitaient du travail des autres. Donc, faut vraiment. Olivier, ça, c'est que tu proposes à des cas particuliers ou c'est de façon générale? Non, là, j'ai vu, elle a 15 comptes et ils sont en train de monter un truc, là. Ouais, mais je veux dire, si moi, demain, j'ai 30 comptes, est-ce que je peux le faire ou faut que je passe par toi absolument à chaque fois? Là, bientôt, tu pourras le faire. Là, on est en train de le faire. Là, Gauthier, il est en train de bosser sur tout ce qui est tableau de bord groupe, donc les codes couleurs. La gestion d'équipe, tout ça, tu verras, le tableau de bord groupe, ça va être un truc de fou. L'onglet prospection, ça va être un truc de fou. Ok. Tu pourras lier, voir des notes, tu verras, c'est magique ce qu'on est en train de faire. Donc, nicolas@cadastre.com, ça c'est mon email. Demande de groupe, de tableau de bord groupe, et puis on te le fait. En attendant qu'il y ait la version numérisée où tu pourras le faire toi directement sur ton compte. Ça roule. Bon. Ça marche comme Facebook. Hein. Ça veut dire que quand vous êtes sur un groupe, c'est comme si vous êtes sur un groupe privé entre vous, où tout le monde va voir les posts de tout le monde sur Facebook. Ben là, tout le monde va voir la prospection de tout le monde sur le groupe. Hein. Ok. Vous êtes formidable. Et plus encore que formidable. Hein. Ils sont magnifiques. C'est formidable, c'est pas assez. Et si vous aviez vu Olivier avec des abdos, alors là. Ouais, c'est incroyable. Mais bon. Mais donc, envoyez-moi par. Voilà. Mais encore une fois, par contre, par exemple, comme Christophe Descamps, quand il dit que pour l'instant, il n'est pas dans une équipe, mais qu'il y a déjà des équipes en place. Arrivez dans les réunions et faites une présentation justement à ce niveau-là. C'est-à-dire de dire, voilà, moi j'ai une idée. Parce que tu sais, moi j'ai vu pas mal de groupes, c'est vrai que l'idée de se réunir tous les mois, c'est bien. Mais d'avoir une interconnexion permanente ensemble, c'est encore mieux. C'est-à-dire que si on voit que ce que fait tout le monde en instant T, en fait, globalement, comme je reprends encore une expression de Marc, mais comme il dit, c'est pas le plus gros qui mange le plus petit, c'est le plus rapide qui mange le plus lent. Si vous avez aujourd'hui une interaction de façon instantanée avec tout ce que vous faites sur le terrain, mais c'est énorme. Si je vois tout de suite... Elle est bien, Comment ? Elle est bien, cette expression, tu peux la redire ? Ah, mais là, après, c'est payant. Non, j'ai dit, c'est aujourd'hui, celui qui gagne, c'est le plus rapide, c'est pas le plus...
C'est le plus rapide par rapport au plus lent. Et aujourd'hui, c'est obligé. Quand tu as un bien qui rentre en bon prix, et ça part dans la semaine, dans les 3 jours. Donc, et faut rentrer le bon bien. Donc, si tu as un de tes filleuls qui a rentré un bien, qui est même en off-market, qui est en prospection, il va vendre à 300 000 euros. Tu as déjà 4 clients et tu vas le proposer en amont. En marketing off, tu vas directement t'as gagné. Les autres concurrents ne verront jamais ce bien à la vente. Et toi, en sous-jacent, tu as déjà validé, estimé et vendu. C'est ça, en fait, la vérité. C'est ça. Et donc, le fait de Et moi, je... multiplier aujourd'hui les forces, c'est-à-dire que de dire dans un groupe, on se réunit une fois par mois, c'est bien, on boit le café, ok, quels sont aujourd'hui. Je vois. Bon, alors, quels sont les plans du mois prochain? On va faire du marketing du flyer. On va faire des marketing sur ci, c'est ça. Mais en fait, la vraie étape commerciale, regardez une agence, par exemple, c'est le bon côté des agences. Tous les matins, c'est briefing des briefings. C'est pas une fois par mois. Eh bien, nous, on n'a pas besoin d'être dans une agence. On a cet outil et cet outil peut être une table de commerciaux, où tous les matins, on fait inter. T'as même pas besoin de te réunir. Tu vois les nouveaux biens qui sont venus, parce que tu peux aussi estimer par date, par ce que tu veux, les nouveaux biens qui sont liés. C'est même pas ça, c'est que le travail d'équipe, il passe par une interaction avec son équipe. C'est que moi, tous les matins à 9 h, pile poil, j'ai rendez-vous avec tous mes gars qui travaillent dans Cadastre.com et on fait un point sur tout. C'est ce que je Moi, dis. j'ai des mecs qui bossent en équipe sur des tableaux de bord groupe. Les mecs, tous les matins à 9 h, ils font le débrief avec tout le monde de ce qui a été fait, chacun chez soi. Sur un visio. Mais là, vous pouvez le faire sur le Discord aussi. Alors, moi, Mais j'essaie de c'est montrer ça. l'intérêt du Discord. Peut-être qu'après, vous ferez des Discords par groupe aussi, par exemple, et vous voyez que la force du Discord est juste énorme. Voilà. Du Discord, vous liez le Discord avec cadas.com où vous allez linker tous vos biens que vous recherchez sur une seule et même plateforme, avec les interactions, avec les DPE, avec l'immomètre, avec etc. Aujourd'hui, on ne change pas les fondamentaux, mais les portes d'entrée sont carrément différentes. Sauf que si vous avez ces C'est portes ça. d'entrée, alors que les autres sont encore au stabilo et à se réunir une fois par mois, vous avez un avantage certain. Et moi j'ai une question. Vas-y. Combien qui s'adresse à tout le monde là? Mettez, je vais vous poser une question et mettez un commentaire. Combien vous êtes prêt à payer pour avoir les annonces particulières qui sortent sur le bon coin avant qu'elles sortent sur le bon coin? C'est une question. Combien vous êtes prêt à payer pour avoir les annonces qui vont sortir sur le bon coin avant qu'elles sortent sur le bon coin? Allez-y. Tout l'or du monde, fais gaffe quand même, Christophe, hein, la question n'est pas innocente. Hein. Ouais, mais moi, on me dit what, tout l'or du monde, cher, c'est combien cher? Non, c'est une question, ça ne veut pas dire qu'on va le faire, c'est une question. 50 euros par mois, c'est tout? 10 euros hors taxe? 10 euros par annonce? Ouais, je vais transformer ta Ouais. question, Olivier, pour qu'elle soit plus concrète. Vas-y. Ouais. On a tous testé, enfin beaucoup ont testé le Bon Coin qui nous promettait 5 contacts qualifiés par mois pour 100 euros par mois. Énormément l'ont pris, d'accord? Si on avait eu vraiment 5 contacts par mois avec 100 euros par mois, est-ce qu'on aurait tous continué les abonnements? Ma réponse est oui. Parce que si 5 contacts, ça te génère entre 2 et 3 mandats, bien sûr que 100 euros par mois, c'est que dalle. Aujourd'hui, Olivier, la question est la suivante. Si, parce que je sais à quoi il pense, si demain, vous êtes capable d'aller sur le terrain et que ce n'est pas 5 contacts par mois, mais c'est beaucoup plus, où vous serez les premiers, même avant tout le monde, à aller voir démarcher les clients pour avoir le mandat. C'est ça que tu veux? Putain, je vais être riche 500 euros par mois. Waouh! Non, mais abusez pas, pas 500 euros par mois. Non, Mais mais faites gaffe parce que ce n'est pas une question innocente, hein. c'est pas On une a question. réussi à faire un truc.
Là, cette nuit, on a bossé jusqu'à 3 h du mat pour réussir, on réfléchissait depuis quelque temps à faire des trucs. On a, et là, ils viennent de m'envoyer que normalement, ça devrait être OK. Donc, ce n'est pas une question innocente. 500 euros par mois, je prends ton numéro, Rudy. Non, mais par contre, 500 Et euros tout par mois, le monde attends, aussi. Tu je vais juste transformer sa question. Est-ce que 500 euros par mois, tu lui donnes l'exclusivité sur son secteur? Ben franchement, ça dépend, ouais, le secteur. C'est la Mais Réunion. ah, mais c'est en fait, voilà, on a réussi à faire un truc de fou, en fait. Qui est vraiment au-dessus de tout ce qui a été fait, de tout ce qu'on a fait, même nous. Mais en fait, si tu veux, Et ça ça a un intérêt. vient, c'est pire que réel. Tu peux pas comparer parce que je sais, on en a parlé ce matin avec Olivier, je sais à quoi il pense. C'est-à-dire que le propriétaire ne sait même pas, même lui-même, qui va bientôt vendre. C'est-à-dire que c'est vraiment une exclue en amont de tout. Et c'est pas. Je dis, j'ai fait l'ouverture du live en disant je teste aujourd'hui 99 euros hors taxes par mois pour avoir des liens qualifiés en même temps que d'autres professionnels. Je vous ai fait la démonstration, c'est toujours 3 ou 4 professionnels qui ont les mêmes leads que moi. Là, l'idée, c'est pas ça. C'est-à-dire que tu as des infos par 24 heures. C'est ça, Olivier? Ouais, toutes les 24 heures, il y a toutes les nouvelles infos de votre secteur, de toute la France. Il y a une mise à jour sur notre base à nous qui sera faite tous les jours. À 9 h le matin, il y aura une nouvelle, la donnée d'hier, en fait. Exactement. Mais c'est Donc, incroyable. Donc toute la... là, on n'en dit pas plus. C'est juste qu'on est en train de le faire valider. On est en train de le tester. Là, apparemment, les devs, là, ils m'ont envoyé un message. Apparemment, c'est bon, ils ont l'algo qui est fait. Je vais le tester. Je vais voir si c'est bon et puis on vous en parle. Mais c'est un truc de fou, hein. Je suis Mais testeur. je sais pas si. Hein? Je suis testeur. Ouais, je sais que t'es testeur. Donc, en fait, Donc voilà. il y a un lien dans tout ce qu'on dit. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est le plus rapide qui mange le plus lent, là, c'est les infos toutes les 24 heures. T'as vu la transition quand même? C'est incroyable. Non, mais c'est vrai, tous les 24 heures, c'est un truc de malade. Je pensais même pas que c'était en vue. Franchement, ils sont trop forts, mes gars. Donc voilà, bon, enfin, clos de la question, mais faites attention au prix que vous annoncez parce qu'il est en train d'enregistrer. Ouais. Alors, je pense, enfin, peut-être je m'avance, mais lui, Olivier, sa politique, c'est pas de capturer les gens sur 12 mois. C'est-à-dire que on part du principe que si le logiciel ou si le service proposé est valable et surtout qui apporte une valeur ajoutée, il n'y a pas besoin de capturer les gens sur 12 mois comme fait le Bon Coin. Parce que là, moi, ce qui m'inquiète un peu plus sur le Bon Coin, c'est qu'on vous dit que j'ai un abonnement de 12 mois, quoi qu'il arrive. Ça veut dire que tu n'es pas sûr. Moi, si je suis sûr que demain, avec la valeur ajoutée qui t'apporte toutes les 24 heures, que tu vas faire 4, 5, 6 mandats et que tu feras une à deux ventes grâce à ça par mois, j'ai pas besoin de te dire je te capture 12 mois. Tu vas venir pleurer tous les mois pour renouveler l'expérience. Tu n'as pas besoin de capturer les gens. Si derrière, si tu dépenses 10, 20, 30, 50 ou 100 balles par mois, ça te rapporte 10 000 par mois. T'as pas besoin. Ou alors, t'es fou. Ou alors, si tu veux pas ton abonnement, non, non, merci, j'ai pris une fois 10 000 euros, ça me suffit. Je viens pas le mois prochain. Ça n'existe pas, ça. T'as pas besoin. Et les gens qui proposent, comme c'est pour ça que j'ai jamais adhéré à Meilleur Agent, ils te disent, il faut minimum 6 mois. C'est ce que je leur ai dit. Si vous êtes sûr de votre valeur ajoutée, pourquoi voulez-vous que je m'en aille le mois prochain? Pourquoi vous avez besoin de me capturer 6 mois si vous êtes sûr de votre valeur ajoutée? Si je sais que demain, grâce à vous, je ferai 3-4 mandats en plus et que je ferai une vente en plus, vous n'avez pas besoin de me dire, vous restez 6 mois. Si c'est ça, je reste 6 ans. Il n'y a pas besoin de me capturer. Donc quand les gens, ils te Et moi, proposent... c'est pas meilleur agent hein, qu'on vous donne. Hein. C'est des vrais leads vendeurs. Et même les particuliers, c'est pas eux qui ont fait une estimation ou des conneries comme ça, la meilleure agent. Non, non, ils n'ont fait aucune C'est estimation. des vrais leads vendeurs. Le particulier, c'est même pas. Le particulier, on a réussi à voir un truc qui était invisible. Voilà. Donc globalement, Mais on est c'est... dans le futur, donc je peux dire.
Ouais, c'est retour vers le C'est futur. trop, c'est trop. Donc. Ah ouais, non mais. Non mais c'est vrai, Mais c'est oui, vrai. mais. Je plains toutes les autres boîtes de tech. Je plains tous les autres. Sérieux. Ils ont beau faire ce qu'ils veulent, on est trop fort. Non mais Regarde, arrête. rien que sur le cadastre, on a une multiparcelle. Non mais c'est vrai. Oui. Multiparcelle, qui c'est qui fait une multiparcelle en France? Il n'y a que nous. Donc à partir du moment pour de la recherche d'adresse, à partir du moment où tu as une maison sur plusieurs parcelles, tu ne peux pas la trouver, sauf sur cadastre.com. L'outil cadastral à la base, l'outil cadastral filtrable, c'est nous les premiers en France qui l'avons fait. Tous les autres qui sont arrivés, Infoparcelles, tout ce que vous voulez, toutes les autres boîtes, c'est des mauvaises copies. Je suis désolé. Bah, C'est une réalité. j'en dis pas plus, mais oui, on est d'accord. Mais après, ça n'a rien à voir ce que propose là Olivier. Donc, a priori, il a l'aval de ses techs. C'est pas des estimations. Les gens n'ont pas fait d'estimation. Justement, c'est là l'intérêt. C'est-à-dire que c'est vous les premiers qui allez faire une estimation. Et c'est vous qui allez peut-être les mettre les pieds dans la vente ou pas. Là où personne ne sait. Quand je vous ai parlé hier, c'était pas innocent. Du moins, finalement, hier, je savais pas. Mais c'est une bonne transition, je trouve, que la meilleure des données, c'est la data invisible aujourd'hui. C'est ce qu'on va venir Vous savez chercher. ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va faire un post sur le groupe Facebook, d'accord? Sur le groupe Facebook. Et le premier qui trouve, c'est quoi qu'on va faire? Donc c'est une mise à jour tous les 24 heures. Mettez tout ce que vous pensez. Le premier qui trouve, je lui mets 1 an gratuit. Ils vont trouver. Maintenant, ils ne vont pas trouver. Ici. Mais non, Mais non, même mais tu vas te maintenant. cramer. Mais non, mais pas ça. Bon, enfin, faut comme tu veux. Bah non, alors Non, 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 avocat, divorce, t'es loin. Non, c'est. Ça, c'est facile, ça. Ouais, il y en a qui parlaient de décès. On va pas aller tuer des clients pour faire des successions. Non, non, c'est tout légal. Hein. Il n'y a pas de. Un truc, c'est malin. Mais Le... bon, C'est malin. là, on s'égare. On Ouais. s'égare. Bon, On enfin bref. s'égare. Là, pour en revenir au truc, il y Alors, a Safety Noël qui a demandé la parole. voilà, on revient dans le sujet. On revient dans le sujet prospection, méthode. Ouais. Alors, ben moi, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant ce que vous arrivez à faire, c'est énormissime. Merci. Mais c'est dommage que j'ai plus 20 ans. Autrement, je pense à Mais vivre. tu l'es fait les 20 ans. Arrête. Merci. Hey, Noël, on a Merci, toujours 20 Olivier. ans. On a toujours 20 ans. Regarde, Les trois là Olivier, sur. que ce soit Olivier et moi, on est plus gamins que nos propres gamins. C'est vrai. Exact, ça c'est bien. Bravo, bravo. Je reviens, ouais, non, mais ce que sans plaisanter, c'est vrai que ça va à une allure, c'est énormissime entre intelligence artificielle, machin, ce que vous sortez, vous, c'est énormissime. Là, c'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de Non, non, l'intelligence. non, mais je veux dire, tout se mêle, si vous voulez. Les annonces, maintenant, tu arrives à avoir des trucs chiadés, sans faute d'orthographe, ça c'est quand même pas mal. Et vous, ce que vous faites, vous, c'est topissime aussi. Donc, et c'est vrai. Alors, moi, là où je mets le petit bémol, effectivement, je crois que ça a été dans les commentaires, c'est qu'il va falloir qu'on embauche, je pense, parce que c'est. Pour gérer tout ça, déjà on l'a vu sur une semaine, moi j'étais pas mieux que les autres, loin de là, je suis pas allé prospecter non plus sur les données que j'ai trouvées. Il faut déjà mettre tout ça en place. Et au final, en plus intégrer les nouveautés, donc apparemment ça va être une tuerie qui va sortir. Donc je trouve que c'est énorme. Mais moi je voulais revenir sur une chose, l'équipe, donc faire un tableau de bord équipe. Tu disais, Christophe, tu disais, il faut là t'as parlé un peu chinois pour moi, sur Discord, de mettre à jour automatiquement le tableau de bord des biens trouvés, c'est ça? Ça peut m'intéresser. C'est-à-dire que comment on fait pour le mettre à jour quand si moi je rentre un nouveau bien, ou j'approuve, ou une collègue avec qui on fait le tableau de bord, comment on fait pour le mettre à jour systématiquement ça? Alors, c'est avec Lily, elle a codé, donc moi j'avais soumis l'idée. Tu vas ici dans Résultats, et là, le petit prospectus, c'est un mandat, et la petite bourse, c'est une offre. Donc, tu cliques une fois dessus, c'est tout. Ah, non, non, moi, c'est pas ça que je pensais. Je Ah. pensais à ta copie écran cadastre prospection, Ouais. d'avoir l'ensemble du tableau mis à jour. Je disais. L'ensemble du tableau mis à jour. L'ensemble du tableau mis à jour. Je ne comprends pas. En disant, nous, on n'est pas agence, effectivement, on peut. Voilà.
ce que tu as là. La réponse à la question, en fait. Si je veux ouvrir ce tableau-là, et qu'il est automatiquement que quelqu'un a rentré des nouveaux biens en prospection, on est un tableau de bord équipe... En team. Ouais, d'accord. Non, mais ça a répondu le... Parce que quand tu as parlé de se mettre sur Discord, on essaye, nous, les dinosaures de le... Moi, déjà, au départ, Discord... Alors, j'ai compris ta question, Noël. En fait, si vous êtes 10 dans l'équipe, et que les mecs, ils rentrent, ouais. Si tu veux de la nouvelle data, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Bah, tu vas, ici, t'as par date, tu vas par mois, ici. Tu vois? Ouais, d'accord. Et en fait, en mettant par... Ouais, là, t'as toutes les nouveautés. Voilà. Par 24 heures, tu vois, j'ai même pas par mois, c'est par 24 heures. Et bah, j'ai les dernières 24 heures, ce que j'ai ajouté. Après, j'ai 7 jours et plus, après, tout ce que tu veux. Donc, en fait, si tu veux, et ça, donc, si... la réunion du matin, quand tu as 10 personnes, tu te lèves le matin, tu mets sous 24 heures, tu fais « Ah, putain, ils ont trouvé un nouveau truc. » Tac, tu vas dessus. Et tu n'as pas besoin de faire une réunion. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, les 24 heures, ce qui s'est passé. Et encore une fois, ça rejoint le fait qu'on est très réactif. Ce qu'il faut que vous fassiez dans les tableaux de bord d'équipe, je vais vous montrer vite fait un truc. Partagez ton écran. Comment je fais pour partager mon écran? Vas-y, envoie. Partagez ton écran. Je vais vous montrer un vrai truc. Hein. Ça, c'est le mien. Hein. C'est à moi. Ils sont cons, hein, les mecs qui sont vers Nîmes, tout ça. Ils ne me demandent rien. Vous êtes malades. Alors, modifier... modifier, donc comment je fais? Go live. Ouais, vas-y, go live, envoie. Olivier, si tu viens habiter dans le Var, on te prendra. Tu vois quoi là? Ouais, c'est bon. Ah, ça c'est moi. Tu vois là? Ouais. Tu vois, ça c'est tous les biens qui sont à la vente sur une commune, tu vois. Et l'idée d'un tableau de bord équipe, c'est de faire ça, tu vois. D'avoir un mec de chaque équipe qui sont tout autour de la commune que toi tu travailles. Et là, tu vas réunir toute la prospection des uns et des autres sur un commune ou sur un département, etc. T'imagines la data, là? Vous imaginez la data? Tu vois, si vous constituez une équipe commune par commune avec un agent immobilier dans chaque secteur qui tape toute la data, c'est ça que tu auras autour de toi. Tous les biens qui sont à la vente. Tu as un client qui cherche un bien, c'est incontournable. Vas-y, fais une recherche. Fais une recherche, par exemple, là, si je cherche... sur Nîmes, une maison à 300 000 euros, tu vois, par exemple. Mais non, c'est plus cher que ça chez nous. Attends, oh, 400 000, si tu veux. 400 000. À 450 000. Après, entre 400 000 et 500 000. Tu veux. Vas-y. Ah, mais là, tu vois, il y a 320 favoris. Et là, il recharge tout, tu vois. Mais il est trop lourd, le mien, j'en ai trop. Donc, il faut attendre qu'il recharge. Et donc, après, tu zoomes sur le secteur que tu as envie. C'est ça, et après, donc terrain, piscine, pas piscine, tout ça. Donc là, il est en train de charger mes galères parce que j'en ai partout en France, tu sais. Et voilà, là, c'est tous les biens qui peuvent correspondre à ton client, tu vois, sur Nîmes, sur les communes autour, tu vois. Voilà, en fait, l'idée, c'est ce que j'expliquais un peu hier, tout à l'heure, mais avec moins de data. C'est imaginer, moi, j'ai fait, je sais pas, j'en ai combien, j'en sais rien, mais imaginer, et en fait, tu mets le doigt dessus, Noël. C'est que tu viens de dire quelque chose de super intéressant. Tu te dis, mais en fait, on se rend compte qu'on doit embaucher. En fait, on nous parle tout le temps de recrutement. Mais je pense qu'on ne le fait pas parce qu'on n'a pas la sensibilité de dire, j'en ai besoin. Parce qu'au final, quand on est mandataire, on est seul dans notre coin et on se dit, bah finalement, j'ai déjà peu de boulot. S'il faut que je le partage, c'est compliqué de recruter. On est d'accord. Tandis que là, si tu commences à faire de la data, si comme Rudy, tu as 5, 10 filleuls, 89 personnes qui ont fait de la data sur place, là tu dis je ne peux pas le faire tout seul. Donc là oui, effectivement, le recrutement, à mon sens, prend tout son sens justement. C'est-à-dire que là tu te dis, bah, là j'ai besoin d'une équipe. Parce que si j'ai fait moi en 4 heures ça, ça veut dire qu'une autre personne... va faire la même chose en 4 heures, multiplié par le nombre de filleuls, ben voilà, après tu prends les parts de marché de la ville complètement. Mais là, c'est concret. Et des communes autour, c'est un truc de fou hein, ce que vous pouvez faire avec ça. Moi, franchement, imagine,
Bon, moi, j'ai fait la connerie, ou on verra, mais de prendre l'abonnement de 100 balles hors taxe sur le bon coin, ok? 100 balles hors taxe, c'est 10 filleuls à qui j'aurais pu payer cadastre.com. T'imagines? Est-ce que tu penses que 10 abonnements aujourd'hui dans mon secteur hors taxe à 10 euros ne me rapporteraient pas plus que quelque chose que j'attends, qui vont donner des leads à 4, comme le meilleur agent, à 4 professionnels? Est-ce que tu penses qu'il y a une comparaison possible? Non, c'est clair. Voilà. Et tiens, pendant que j'y pense, dans l'après-midi ou demain matin, il y a la donnée rafraîchie des DPE. De ces derniers jours. D'accord. Au cas où. Je dis ça, je dis rien. À vos claviers. Voilà. Donc ce soir ou demain matin. Voilà les amis. Alors, en résumé. Oui, merci. Merci Noël. En résumé, pour voir par rapport à la session d'aujourd'hui, donc aller sur le terrain. Donc l'idée principale, un, on va mettre les courriers en dispo sur un salon Discord. Tous les courriers types d'Anaïs ou de Rudy comptent sur vous. Deux, soyez plus humain. Intéressez-vous quand vous allez en prospection, pas forcément à la maison, discutez avec la personne. Comme disait Rudy, si vous avez, vous allez sur place et qu'il n'y a personne et que vous voyez le voisin, donnez-lui l'appli Safety Connect pour avoir des prescripteurs. Rien n'est inutile, tout se génère. Deux, ensuite, globalement, on va créer des ateliers cette semaine avec Olivier pour ceux qui n'ont pas réussi la data. Parce que jusqu'à maintenant, Olivier faisait que des ateliers de chez IAD. Faut dire ce qui est. Maintenant, il va faire chez Safety aussi. Oui, mais... Je rigole. Ah non, mais j'ai plein de copains partout, moi. Il y a Rudy, je l'ai appelé, hein, Rudy, je t'ai mis dans mon répertoire. J'ai mis Rudy 500 euros. C'est comme ça que je t'ai appelé dans mon répertoire. Tu sais qu'il va beaucoup t'appeler maintenant. Il va te... Rudy 500 euros. Il n'y a pas de souci, Nicolas. Hein. Si tu me rapportes des leads qualifiés et je suis seul sur le secteur, je te paye 500 euros. Hein, sans aucun problème. Il y a des boutiques qui prennent 4 leads ou 5 leads ou 10 leads par mois. Je prends Lidin qui prend 500 euros pour travailler. L'idée, c'est qu'on reste dans notre même philosophie. À quel moment, moi, je vais prendre 500 euros à des... Le travail, c'est vous qui le faites. Non, après, on voilà. Commercial. Nous, on bien vous sûr, délivre après... de la data. Avoir de la data, c'est un truc. Aller bien le travailler, c'est autre chose. C'est comme l'histoire des courriers. C'est déjà magnifique avec. C'est comme l'histoire des courriers. Il y en a plein, ils vont taquer à la porte et ils mettent un courrier, ils y repassent plus jamais. Ça sert à rien, c'est pas ça du commercial. Du commercial, il faut dormir devant chez les gens, limite. Et dès qu'ils rentrent, il faut leur parler aux gens. Il faut créer un lien avec eux. Voilà, bah c'est ce que je disais avec Anaïs. Anaïs, c'est une machine. Le truc de Anaïs, c'est que tu es trop machine, soit moins direct. Mettez-vous toujours à la place de l'autre. C'est-à-dire que globalement, quand vous allez sur un mandat qui est en mandat simple, une exclue, que le mec, ça fait 5 mois qu'il en annonce, mettez-vous dans son cerveau que le mec, il doit vendre, il ne vend pas, il n'a pas d'annonce, il est un peu en détresse. Il faut que tu arrives pour le rassurer, lui donner un peu d'espoir et lui donner un petit peu de réconfort. Si tu arrives en disant, bah voilà, j'ai vu que vous avez fait un DPE, ça fait 6 mois que vous ne vendez pas, etc., etc., on ne me voit plus, ah, ma caméra est tombée. N'arrivez pas en inquisiteur. Arriver plutôt en dire, mais je comprends pas, pourtant une maison comme la vôtre, vous avez un bel quartier, vous avez une belle maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Comment ça s'est passé? Parce que moi, votre maison, elle est magnifique. Flattez-le, donnez-lui un peu de baume au cœur. Ça fait 6 mois, le pauvre, qu'il est en train de dire sa maison, c'est quasiment de la merde, parce qu'il ne vend pas. Comment on peut faire? Et il faut que vous soyez... Anaïs, c'est de sa faute. Anaïs, c'est de sa faute. Moi, je lui ai dit... Dans chaque quartier, il y a un pot de miel. Un pot de miel, c'est un endroit où tous les gens ils vont passer devant. Le pot de miel, c'est souvent un petit restaurant, un bar. La prospection, c'est un truc. Et après, aller s'implanter dans un lieu où tout le monde passe, tout le monde va acheter ses clopes, tout le monde va continuer. Les gens te voient. Après, quand tu vas toquer aux portes, les gens t'ont déjà vu dans la même place.
C'est important d'aller manger tous les midis dans un quartier, toujours prendre ses habitudes dans certains endroits. Et après, tu es obligé d'aller en salle de sport. Anaïs, elle ne va pas manger à midi. Et après, elle ne va pas manger en... Oui, mais après, tu es obligé d'aller en salle de sport, c'est ça qui est chiant. Mais il a raison dans le fait où, en fait, il faut être à la base, il faut toujours être un peu désintéressé, entre guillemets, parce qu'on est toujours intéressé. Vous parlez à quelqu'un, vous êtes des commerciaux, vous parlez de façon globale, tout le temps intéressé. Famille, amis, parents d'élèves, le boucher, le charcutier. Dites-vous que vous avez pris une malédiction, entre guillemets, quand vous êtes commercial, c'est que quoi que vous fassiez, c'est toujours quelque chose, il y a toujours quelque chose d'intéressé derrière. C'est comme ça, commercial. Il ne faut pas être non plus un requin, c'est pas l'idée, mais c'est de dire que tout ce que vous allez dire, faire, que ce soit ami, famille, etc., il peut y avoir toujours une conséquence positive sur votre métier. Voilà. Donc, n'oubliez pas ça. Et comme il dit Olivier, oui. Après, allez sur des... boire des coups, manger au restaurant, oui. Parler au charcutier, parler au boulanger... Que les gens ils vous identifient à un lieu, c'est-à-dire que si tu as trois restaurants, tu vas manger ton entrée dans un, ton plat dans l'autre, ton dessert dans l'autre. Et jouer, et jouer, et prenez du plaisir à ce que vous faites. Moi, avec un binôme, on savait qu'il y avait un barman, un patron de bar avait un studio à vendre. On n'a pas été le voir, vous avez un studio à vendre, on a été boire des coups à son café, et on a commencé à discuter, à dire, attends, en ce moment, ça vend bien, hein. Oh, putain, c'est dommage que j'ai passé de bien. Et le propriétaire a écouté notre conversation. Et au bout d'un moment, il vient de parler, il fait « Ah bon, vous êtes dans l'immobilier ?»« Ouais, ouais, bon, on a vendu pas mal dans le quartier. » Mais on savait qu'il avait à vendre. Et il dit « Bah non, parce que moi, j'ai un bien à vendre. »« Ah bon, bah, il est vendu, non ?»« Bah non, j'arrive pas à vendre. » »« Comment ça, vous n'arrivez pas à vendre ?» Et puis, on continue à boire. Faites de l'anti-vente, jouez. Et c'est un jeu, le commercial. C'est un jeu. Les restaurants, parlez-eux avec tous les serveurs, soyez grande gueule, imposez-vous, prenez la pièce. Payer au restaurant des trucs là où ils mettent leurs verres ou leurs assiettes, là, les trucs en plastique avec de la pub. Là, je voyais tout à l'heure en salle de sport. Je te jure, depuis des années, vous êtes tous dans des gros réseaux, surtout les femmes. Vous allez en salle de sport, prenez un truc où c'est marqué safety. Les mecs, tout le monde va vous. Il y a des mecs qui vont vous chercher la faille pour venir parler avec vous. Donc, s'ils voient que c'est marqué immobilier safety, ils vont venir parler avec vous. Immobilier, de ce qu'ils voient. Moi, c'est des petits conseils, mais je comprends pas que vous le... En fait, globalement, si vous voulez, l'immobilier, c'est un des sujets où tout le monde a de l'intérêt et tout le monde parle. C'est un sujet qui va toucher tout le monde, à chaque fois. Donc, l'immobilier, c'est vraiment, par rapport à tous les sujets qui peuvent exister, c'est vraiment un sujet qui va forcément intriguer, que vous soyez locataire, propriétaire, vendeur, acquéreur. On est tous concernés par l'immobilier. C'est une chance. Si tu vendais des saucissons, tout le monde ne mange pas du saucisson. Donc là, l'immobilier, tout le monde en mange. Tout le monde, à toutes les sauces. Donc, à partir du moment que vous êtes dans professionnel, vous allez toujours intéresser quelqu'un. Voilà. Après, tout à l'heure, je voyais en phrase d'accroche, quand tu ne connais pas quelqu'un, il ne faut pas vouloir le flatter. Hein. Les meilleures phrases d'accroche pour attirer l'attention de quelqu'un, c'est celle descendre. On appelle ça l'ascenseur émotionnel. Ça dépend, Olivier. Il faut jauger. Moi, si tu le descends... Mais il faut le faire avec le sourire, hein. Non, mais si tu arrives et tu me descends, moi, je ne te fais pas rentrer chez moi. L'idée, c'est que c'est ça l'intérêt aujourd'hui de cadas.com, c'est d'avoir un peu l'historique de la personne. Si tu vois que ça fait 6 mois qu'elle est en vente, si tu dis, bah, t'as rien vendu, hein, t'es vraiment un naze, tu vois, je résume, mais en gros, tu ne rentreras pas chez lui. Par contre, comme il dit... Mais la dernière fois, je t'ai pas descendu, tu ne m'as pas ramené chez toi non plus, hein, la dernière fois qu'on s'est vu. Ben voilà. Et on était au resto, c'était pas... Je t'ai payé, on était mangé, je t'ai payé, on m'a même pas ramené chez lui. Donc, tu vois, des fois, t'es gens... Rien, ça sert à... Moi, je me sers. Je me sers des jardins. Non, mais tu vois, comme disait Rudy, il avait raison, et lui, il a des résultats concrets, et je pense que c'est la bonne méthode. C'est déjà de rentrer... il faut pas descendre sa maison, ni la personne. Il faut le dire, il faut l'intriguer, de dire... Ok, non, moi, je me sers des jardins, tu m'entends? Ouais, le jardin, ouais, des choses. Enfin, rentrer, la faille. Il faut trouver la faille. Il faut rentrer. C'est des personnes âgées, généralement, ils sont fiers de leur jardin. Donc, voilà, je parle de leur épi, leurs arbres fruitiers. Oui, les litchis. Ouais, ils poussent les litchis. Mais en fait, je discute avec eux sans parler de la vente.
Et généralement, quand les tropis demandent sur leur jardin, ah, c'est super bien entretenu, vous prenez un professionnel. Ah non, non, c'est moi. Ah, vous devez passer du temps. Et après, voilà, la concentration est Exactement. rentrée. Et Quand je donnais l'exemple tout à l'heure, elle avait un Yorkshire, et ben c'est devenu mes meilleurs amis, les Yorkshire. Ah, vous avez un Yorkshire? J'en ai eu un il y a quelques années. Oh, j'ai eu du mal parce que ça m'a fait de la peine. On a été obligé de s'en séparer. Il est mort, il avait une maladie. Ah oui, mon pauvre chien. Oh, vous avez dû être triste, etc. Et là, tu casses une glace. C'est-à-dire qu'il faut que tu rentres par une porte. C'est pas d'arriver et parler d'immobilier. Ça fait 6 mois que vous êtes en vente, eh ben, c'est pas demain que c'est vendu, hein, parce qu'au prix que vous l'avez mis, c'est pas. Voilà. Tu vas là-dessus, tu vois rien. Rentrez par la face nord ou la face sud, vous rentrez par la fenêtre, par le toit, peu importe, mais il faut rentrer par une voie qui est autre que celle que tout le monde prend. Quand un vendeur met sur le marché, tout le monde lui parle de sa maison, qu'elle ne se vend pas, qu'il veut un mandat. Rentrez pas par cette porte. Rentrez par une autre porte. Et puis, soyez innovants quand vous parlez. Dites pas un discours qu'ils ont déjà pu entendre quelque part. Il faut les pas choquer, les gens. Et après, C'est comme... comme dit Florence, le parfait n'existe pas. C'est-à-dire que malgré tout, vous allez avoir un taux d'échec. Mais ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez eu un échec, mais là où vous allez supporter plus l'échec, c'est qu'au lieu d'avoir deux datas à les prospecter, vous allez en avoir 80 comme Rudy. Parce que si deux me claquent la porte, j'en ai 86 derrière. Donc je m'en fous. Si j'en ai que deux et deux me claquent la porte, je rentre chez moi, je suis au bout de ma vie. Donc c'est pour ça que la quantité est importante. Et ouais, Non, exactement. et là, il y a quelqu'un qui dit, quand tu tapes la porte, non, il ne faut pas jamais jouer la même scène. C'est un jeu d'acteur commercial. Il faut Donc, il faut aimer que tu ça. t'amuses dans ton rôle. Il faut aimer Faut que ça. tu t'amuses dans ton rôle. Il faut que tu trouves des idées de hold-up. Faut que tu les accroches, les gens. Faut que tu sois différent de tout ce qu'ils ont pu voir. C'est de la drague. Alors, pas au C'est sens propre. exactement, j'ose pas le dire, j'ose pas le dire, j'ose pas le dire. Mais regardez les mecs, les femmes. Quand vous vous baladez un mec, quand il se balade dans la rue, il veut parler à une femme. Soit il lui sort un discours tout réchauffé et même pas elle va le calculer, soit elle lui sort une phase de quatrième dimension. Et là, elle va se dire, ouais, c'est quoi ce mec? C'est quoi cette Il phrase? faut On n'a prendre jamais fait ça là. le contre-pied. Il faut prendre le contre-pied. Je t'avais donné une anecdote que j'avais quand j'étais gamin. C'était juste pour vous donner une anecdote du contre-pied. À mon époque, ça me ramène. Voilà. Quand on allait en boîte de nuit, à 3 h du matin, il y avait les slow. C'est-à-dire que les slow, c'est à un moment donné, les filles se mettent tous assises et tous les mecs défilent. Vous dansez et elles ont le pouvoir. D'accord? Et donc, en règle générale. Bah, tu vas au casse-pipe parce que tu fais la même chose que tout le monde. C'est-à-dire, vous dansez, vous dansez, vous dansez, et en général, 90% du temps, tu te fais bouler. Et j'avais fait un pari avec mes copains. On était à une table où il y avait un cendrier, et on buvait une bouteille. Et à un moment donné, une femme est venue pour mettre sa cendre dans sa table, sur notre table. Je me suis retourné, j'ai fait non merci, je danse pas. Et je me suis retourné comme ça. Et elle s'est retrouvée con, en fait, parce qu'elle ne s'attendait pas à cette réflexion. Et je l'ai un petit peu piqué à l'envers. Là où elle avait le pouvoir, tout d'un coup, c'est elle qui se faisait jeter. Mais alors, c'était complètement bidon. Et elle me regarde, elle dit, pourquoi tu veux danser? Je me suis levé, je dis, voilà, 5 minutes alors. Mais voilà, c'est une anecdote à prendre comme elle vaut, ce qu'elle vaut, ce qu'elle vaut. Mais j'ai été différent à un moment donné de toutes les personnes, globalement, en boîte de nuit à cette époque-là, où 99% des mecs faisait la queue, entre guillemets, pour aller draguer. Tiens, tu danses, tu danses, tu danses. Là, tu as été différent. Tu l'as surpris, tu l'as pris à contre-pied, là où on ne t'attendait pas. Et c'est là où ça marche. C'est pareil dans le commercial. T'étais beau aussi quand t'étais jeune aussi. Attends, dis-le aussi, t'étais beau. Il avait des cheveux longs avant, Christophe. J'avais des nattes. J'avais Il des nattes. J'avais des avait nattes. une belle queue de cheval, il avait les cheveux. Non, mais c'était un jeu. C'était C'était un beau. jeu. Mais quand on allait en boîte de nuit, Personne n'a vu quand il avait 20 ans. c'était Moi, j'ai des assez. dossiers si vous voulez dans sa petite. Ouais. Non, mais c'était un jeu. La séduction, c'est un jeu. Je veux dire, et ce qui rend d'autant plus. D'ailleurs, c'est ce qui est triste aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est que maintenant, il n'y a plus de séduction, c'est les sites de rencontres, machin, c'est vraiment. Bref. Et moi, ce que j'aimais bien, c'était de batailler, de trouver la faille, le jeu de séduction, de séduire, etc. Ben, c'est pareil en commercial. Si c'était facile, ben voilà, tout le monde le ferait. Et s'il y en a qui n'y arrivent pas, et peu y arrivent vraiment au top, c'est qu'il y en a qui jouent toujours à ce jeu-là et qui perdurent. Et qui, globalement, c'est la persévérance qui paye. C'est pas le talent. Le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est d'avoir l'envie de faire quelque chose. Après, le reste, c'est de la persévérance. C'est tout.
Voilà. Est-ce que je peux te poser la question du coup, Christophe? Ah, Fabienne, oh, eh, punaise, il faut nous couper parce que tu sais, très bavard. Oui, moi, je voulais te demander par rapport à ta data. Je regarde la tienne et je vois qu'elle est super propre. Il y a du bleu, du rouge, du jaune. Donc, moi, j'ai différencié donc justement en jaune uniquement et en gris pour les DPE qui sont récents, qui ne sont pas encore liés à une annonce. Par contre, moi, j'ai sur une parcelle, j'ai plusieurs favoris. J'en ai pas qu'un seul parce que par rapport à ma chronologie, il y a des maisons qui sont en vente depuis le mois d'août et la chronologie n'existe pas sur cadastre.com. Et c'est mes favoris qui me permettent de voir que les annonces, elles étaient plus en ligne et qu'il y a des nouvelles annonces qui sont parues moins chères. Et c'est grâce à mes favoris que j'ai gardés sur mes parcelles que je peux voir la chronologie. Sinon, je ne l'ai pas sur les annonces. Alors, exactement, c'est ce que... La chronologie, tu l'as dans les annonces d'une, sauf quand elles ne sont plus en annonce. En fait, elle parle de chronologie par rapport au tag. C'est ça, Fabienne? Alors, oui, alors moi, j'ai mes favoris qui sont dessus. Donc ouais. J'ai des annonces j'ai plusieurs favoris dessus, dont des annonces qui n'étaient plus en cours du fait qu'ils ont baissé le prix. Ouais. Et dans la chronologie, ça n'existe pas. Heureusement que j'ai mes tags, sinon je ne verrais pas que les alors, annonces. Alors c'est pour ça que hier j'ai fait la vidéo que je dis moi je laisse plusieurs tags. Pourquoi? Ça peut être, tu vois par exemple sur ce bien là. Je sais qu'il y a deux tags, il y en a un qui est en particulier, un qui est en mandat simple. Je sais qu'ici, par exemple, sur je ne sais plus quel autre, je vais avoir X mandat de recherche. Attends, pardon. Non, je suis parti en cacahuète. Voilà. Là, tu vois. Je voulais savoir pourquoi. Là, tu vois, par exemple, là, j'ai deux exclus. Ça veut dire qu'elle a été exclue, tu vois, j'ai une baisse de prix, comme tu viens de le dire. Si j'ai deux tags exclus, ça veut dire que c'est le même professionnel qui a eu deux actions sur son exclu. Tu vois, comme tu viens de le dire, Fabienne. Et donc là, j'ai l'action qu'il a menée, lui, avec sa chronologie. Tu vois, il a baissé et il est remonté. Je peux avoir un historique. Mais l'idée principale, c'est que quand j'ai deux tags d'une exclu, il s'est passé deux choses différentes sur ce même bien. Ou alors... Si j'ai trois tags. C'est bien parce que toi, tu le vois dans la chronologie, tandis que moi, je les ai gardés, heureusement, parce qu'il n'y a pas dans la chronologie. La maison, elle est sortie comme si elle était juste sortie au mois de janvier, alors qu'elle est en vente depuis le mois d'août et qu'on n'a pas la chronologie qui apparaît. Parce et ça, que, tu le vois sur les tags. Est-ce que c'est un nouveau monde? Ça, tu le vois sur les si tags. Si tu l'as, clique. Mais quand tu vas dans l'annonce, tu vois la chronologie. Tu peux la voir, la chronologie, s'il y a une baisse de prix quand tu vas dans l'annonce. Si elle s'est liée à une annonce. Oui. Alors que là, elle n'y est pas. C'est pour ça qu'en gardant ma data depuis le mois d'août, j'arrive à voir les baisses de prix. Exactement, mais c'est la même chose. En fait, si tu veux, quand tu fais de façon régulière, il faut se mettre dans le contexte. Que tu fais ta data, on l'a fait une semaine, mais normalement, tu dois la faire tous les jours. Tu la fais tous les jours, toutes les semaines. Donc, tu vas retrouver, par exemple, cette annonce-là, qui n'est pas taguée en rouge, et tu vas dire, tiens, normalement, elle doit être taguée en rouge parce que j'ai déjà fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu es en annonce, tout ce que j'ai tagué est ici en couleur, d'accord? Donc, quand tu revois la même annonce qui n'a pas de couleur, ça veut dire que quelque part, il s'est passé une chose différente sur le même bien. Donc, à toi de voir et de retaguer éventuellement le même bien. Et donc, après, comme tu dis, là, par exemple... Je les retrouve dans annonces inactives. Donc, elles sont dans annonces inactives, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus... Donc, moi, je les retague du coup avec un nouveau favori. Donc là, comme ça, je les retrouve. Mais il faut marquer indifférent. Tu mets indifférent. Oui. Mais ça, c'est bon, je les ai retrouvés. Mais les annonces, elles ne sont plus du tout actives. C'est qu'elles ont été désactivées pour être baissées. Donc, il y a eu un nouveau mandat. Donc, j'ai deux tags dessus. J'ai deux favoris. Oui. Par contre, dans ma chronologie, quand je reviens sur l'annonce, elle paraît juste dernièrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la chronologie. On ne voit pas la baisse de prix. Oui, mais quand tu analyses tes tags, tu vas le voir. C'est pour ça que je vois que toi, tu n'as qu'un seul favori sur ta parcelle. Parce que moi, sur mes favoris, sur mes parcelles, des fois, j'ai deux, trois favoris sur la même parcelle. Oui, mais là, je peux en mettre 10 si je veux. Oui. Je peux en mettre 10. Et ça me permet justement de retrouver, quand je suis après devant mon propriétaire, quand je discutais avec lui, je suis capable aussi de lui dire qu'il est en vente depuis le mois d'août. Et si je m'étais arrêtée juste à l'annonce, je ne savais pas que la maison était en vente depuis le mois d'août. Ah ben oui, non mais c'est-à-dire que, encore une fois,
L'idée, c'est de refaire ta data toutes les semaines, tous les jours. Et une fois que tu retrouves une annonce, tu dis, mais ce bien, je le connais, mais il n'est pas tagué avec la bonne couleur. C'est-à-dire que ici, par exemple, c'est soit il doit être tagué en particulier, soit en mandat simple. D'accord? Donc, si je retrouve cette même annonce avec un autre tag, ça veut dire que je peux le rajouter. Donc, je peux rajouter d'autant ici. Si je remets ici, et même s'il n'y a pas d'autre tag, si j'ai fait une intervention, donc je peux mettre dans notes, mais je peux remettre ici un autre favori sur la même parcelle. Je peux en mettre autant que je veux. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, bien sûr, tout à fait. Mais je pensais qu'il y avait un autre système pour que ce soit plus rapide plutôt que d'avoir plusieurs favoris sur la même parcelle. Disons qu'à partir du moment que l'épicentre de ta du logiciel, c'est de faire un check toujours sur ta prospection. C'est-à-dire, globalement, que la première chose que tu fais le matin, regarde, tout à l'heure on disait, si je suis en équipe, qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce qu'ils ont rentré dans les dernières 24 heures. À partir du moment que la première chose que tu fais, c'est la vision là-dessus, tu vois par exemple, dans l'hypothèse où ta data a été créée et que tu vas l'amener sur un client, vendeur, acheteur, pardon, sur cette parcelle, ben, l'idée c'est quand même que tu vas déjà repérer d'abord par rapport au secteur, par rapport au prix, et ensuite, ça va te donner tout de suite les informations. Il faut que tu aies un seul écran, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que là, on imagine 20 data, etc. Mais imagine, par exemple, globalement, Rudy, qui a 89 en data, comment il va retrouver dans les annonces les chronologies? La seule écran qui doit lui parler, c'est tout de suite ici. Sur les 89, s'il met sa sélection de prix, si je veux un bien à partir de 600 000 euros, tu vois, j'ai pas besoin de voir les 80 autres, j'ai que celui-là, et celui-là, j'ai les tags différents, et je suis tout de suite qu'il y a eu des actions sur ce bien-là. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Exact. Tu vois, l'idée, c'est comment, en fait, Fabienne, il faut que tu t'imagines comment tu vas t'en servir. C'est dans le passé, là. Comment tu vas t'en servir, en fait, de cette chronologie? Qu'est-ce qui est important pour toi dans cette chronologie? D'aller devant le propriétaire, de lui parler, de te rendre compte de la chronologie, ça c'est une chose. Mais encore une fois, la data va surtout te servir pour amener des clients acquéreurs. Ok. Bah, Et pour les personnes qui sont en Alsace, tout ça, ça va leur permettre de créer leur fichier, leur base DVF. Et en fait, pourquoi on a développé cette option? Parce que des fois, dans une parcelle, tu as plusieurs agences qui vendent le même bien, ça te permet de voir les agences qui n'ont plus le bien et de les conserver, et de voir celles qui l'ont encore en annonce. Et celles qui n'ont plus le bien, il y a un petit bouton qu'on a fait, qui n'y marche plus, là, c'est ce que j'étais en train de vérifier, où tu vas pouvoir aller rechercher dans les annonces pour voir s'il y a une autre agence qui propose le même bien ou si l'annonce elle a été republiée. Tu comprends, Fabienne? Ou... Oui, impeccable. En fait, oui, parce que c'est pour ça. Oui. C'est que en fait, ça te permet. Je suis sur Chenier, dans Charente, donc j'ai 47 maisons hein, sur mon secteur et je me retrouve avec 136 favoris, quoi. Tu vois, du coup. Donc, ah ouais, mais je te dis, on va bosser sur ça. On va vraiment bosser dessus et tu verras, ce sera beaucoup mieux pour toi. D'accord, ok. Là, dis-toi bien que les tableaux de bord, comme vous les voyez, ils ont 3 ans, 3-4 ans. On ne les a pas retouchés depuis 3-4 ans. C'est que là, après l'estimation qui arrive fin de semaine, début de semaine prochaine, on se remet là-dessus. Mais on va vraiment vous faire un bijou technologique au niveau de la prospection et de des codes couleurs, des textes, des tableaux de bord groupe, de tout ce qui vous pose problème. On a 3-4 ans de recul avec des avis utilisateurs. Ne t'inquiète pas qu'on va vous faire un truc bijou. Bon, enfin, nickel. Voilà. Bon, bah écoutez. Merci. Il est midi, on va couper là. Donc, en gros, cette semaine, on refait atelier avec Olivier pour ceux qui n'ont pas assez de data. Donc, comme Muriel dit, 2, c'est bien, mais c'est pas assez. Donc, je t'invite, Muriel, à venir à l'atelier pour qu'on étoffe ta commune. Donc, on va refaire de la data. Sur le terrain, allez sur le terrain maintenant que vous avez la prospection. Ciblez ceux qui ont fait la data et commencez à démarcher. Essayez, si vous avez des mandats d'appel, d'aller globalement proposer d'autres biens, hein, les mandats simples, etc. Voilà, en gros, on se revoit là, mardi prochain. Alors, le Discord reste toujours allumé. Regardez, par exemple, Rudy a fait un salon. Il a ouvert un salon. Il y a Christophe Descamps, Dominique qui sont allés le rejoindre.
voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'on coupe ici, il se... Ah, là, vous commencez à vous auto-générer. C'est-à-dire que vous allez commencer à faire une équipe. Vous allez commencer à interagir entre vous. Le Discord, c'est pas juste un point où on vient, on met une question et on s'en va. Vous pouvez interagir sur toutes les personnes en même qui sont sur le Discord. Vous voyez, par exemple, ils sont trois dans le salon, parce que Rudy doit donner des conseils sur le terrain, parce que, ou sur la data, que ça a bien marché. Il est en train d'échanger avec les autres. Vous voyez? Donc, allez sur le salon, vous rentrez sur le salon de Rudy, et vous pouvez parler en vocal. Là, je monopolise un peu la parole, parce qu'on est beaucoup. On ne peut pas faire tout le monde en même temps. C'est pour avoir un fil directeur. Mais après, allez dans le détail. D'ailleurs, ça a fait du succès. Maintenant, ils sont 6 dans le salon. Tu vas voir qu'ils vont avoir du monde. Donc voilà. Moi, j'y vais. Eh bien, Olivier, allez, vas-y. Donc, je vais y aller. Et puis, bonne chasse et continuez. Il faut qu'on reste dans cette voie-là. Et encore une fois, il va y avoir des nouveaux trucs qui vont sortir globalement pour avoir vraiment de la data top, top, top. Après, il y a Olivier Chevreau, il dit tu nous fais rêver, Olivier. Non, je ne vous fais pas rêver, je bosse pour mes clients, mes utilisateurs. Vos prospects, vos clients vendeurs, acquéreurs, il faut aussi bosser pour eux, vous les fassiez rêver. On est là, on bosse pour nous, on bosse pour vous. Vous bossez pour vos clients, acquéreurs et vendeurs, il faut bosser pour eux. Il faut qu'ils le ressentent, que vous transpirez pour eux. Et encore une fois, moi j'ai dépensé 100 balles pour avoir peut-être 3 ou 4 leads par mois et partager avec d'autres professionnels. Franchement, recruter, payer 10 balles avec une data, ça va être tout bénef. Voilà. Ok, bon, allez, Olivier, tout le monde, eh ben, écoutez, bonne continuation. L'estimation, c'est lundi prochain, je pense. Il y en a qui demandaient. La donnée des morts, quoi, les successions, tout ça, là, les sociétés, tout ça, comme DPE, DVF, une carte avec tout, c'est dans la continuité, ça va être fin février, fin mars. Les impressions, dans chaque onglet, vous pourrez choisir, sélectionner pour faire des impressions PDF, Excel, ce sera pareil. C'est déjà tout codé. En fait, tout est lié à l'estimation. Tant qu'on ne sort pas l'estimation, on ne peut pas vous mettre ça en place. Mais on a déjà tout fait. Et puis, les gros boulots, ça va être sur les tableaux de bord. Donc, commencez à le remplir et nous, on arrive et on vous les embellit après. Voilà, merci à tous. Un bon appétit. Accrochez-vous. Et puis, il n'y a pas de raison, on est en train de fidéliser une bonne communauté, autant sur le groupe Safety que sur le Discord, etc. etc. Donc, continuons et c'est tout seul qu'on arrive à s'entraider. Il y a eu des mandats, il y a eu des trucs positifs, des mandats, des offres, des trucs comme ça ou pas depuis la semaine dernière? Ouais, dans résultat, ouais. On a eu, globalement, on a eu 15 mandats et 6 offres. Ah, ça va? C'est un... Ouais, ça commence bien, ouais, ça commence bien. Je pense qu'après, c'est d'amorcer la pompe et puis après, ça va être de mieux en mieux, je pense. Voilà. Allez dans le salon pour discuter avec Rudy. Ils sont une petite dizaine. Vous allez continuer à échanger et ça va forcément vous apporter. Voilà. Merci à tous. Les offres, allez négocier les offres avec l'immomètre. Ouais, exactement. Ça sert à ça. Exactement. Merci à tous. Sinon, vous appelez Christophe Calvino, il se déplace, il vient négocier l'offre avec vous. À 200 km à la ronde, autour de Bourgoin-Jallieu, il se déplace gratuitement, bénévolement. Ouais. Il vient vous négocier des offres. Il vient vous aider aussi à prendre les mandats avec vous. Et pour vous remettre en forme, vous allez en salle de sport avec Olivier. Et vous lui payez juste une pizza, il adore les pizzas. D'ailleurs, c'est dur de rentrer dans sa salle de sport. Il dit non, mais on ne peut pas rentrer, Olivier. Il prend toute la journée, il prend toutes les machines. On ne peut pas accéder. C'est un fou. Un fou. Je privatise et comme ça, je transmets. Tu vois, prends toutes les machines. Ça se voit que j'ai maigri. On ne peut pas y accéder. Ça se voit que j'ai perdu. Ah oui, ça se voit que j'ai perdu 15 kilos là, non? Ça se voit, non? Vas-y, enlève une oreillette pour voir. Bon allez, bisous tout le monde, bon courage. Allez, ciao, ciao. J'ai des blagues en plus. Attends, il est où le salon? Ah, salon Rudy. En direct. Ah, je foute ma mère dans le salon. Allez, ciao tout le monde. Ciao, je suis en forme là.